croisée des chemins. Il nous faut faire un choix. Pas facile de dire non. Quand tout le monde dit oui, alors faut-il baisser les bras, abandonner le combat. Mais qui dira au tout petit le grand amour de Jésus-Christ? Instruis l'enfant dès son jeune âge, parle-lui du Dieu d'amour et parle-lui de Jésus. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Oh oui, prends-le par la main et montre-lui le chemin. Instruis l'enfant dès son jeune âge, parle-lui du Dieu d'amour, parle-lui de Jésus. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, afin que devenu grand, il ne s'en détourne pas. Qui fit le ciel et la terre, les astres et l'univers, où allons-nous, d'où venons-nous? Alors ce matin, nous allons faire une petite étude sur le don de prophétie. Le don de la prophétie. Alors, dans les temps anciens, Dieu a toujours parlé à son peuple, à son Église, par le moyen d'hommes et de femmes qu'il avait choisis. Généralement, on voit souvent les hommes, mais on peut dire que Dieu parle aussi par les femmes. Alors, je pose une question. Une question certainement qui va vous paraître vraiment légère. Comment on appelait ces gens par qui Dieu parlait? Des prophètes. Alors, citez-moi quelques prophètes. Élie, l'un des plus connus. Moïse. De la Bible. Daniel. Alors, là c'est trop facile. Citez-moi quelques dames. Déborah. Esther. Ah. Esther n'était pas prophétesse. Alors, oui? Anne. Il y avait Anne la prophétesse lorsque elle a prophétisé dans le temple. Donc, effectivement, si vous cherchez, on en trouvera pas mal. Donc, on voit que Dieu a utilisé des hommes, des femmes, et certaines fois même des enfants, puisque Samuel est devenu prophète, c'était un enfant. D'accord? Alors, maintenant, Dieu a formé l'Église par Jésus, et Jésus a établi les 12 apôtres, et les apôtres ont développé l'Église après le départ de Jésus. Mais pour que l'Église puisse avancer, qu'est-ce que Dieu va donner à l'Église pour que l'Église puisse avancer? Le don de prophétie, est-ce que c'est le don de prophétie seulement? Des dons. Voilà, Dieu va donner à l'Église des dons. Alors, qu'est-ce qu'un don? Est-ce que Dieu va donner des dons? Vous savez, il y a des gens qui disent, on y a un don. Un don, c'est un cadeau. D'accord? Après, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Qu'est-ce qu'un don? C'est un présent qu'on reçoit de quelqu'un. D'accord? Mais dans le cadre de la spiritualité, c'est quoi le don? Un talent. Alors, j'entends talent. Est-ce qu'un don et un talent, c'est la même chose? Alors, un talent, c'est quoi? Un talent, c'est quelque chose qu'on a inné. On est né avec. D'accord. Un talent, c'est quelque chose qu'on a en soi. On est né avec et on va le développer aussi. D'accord? Mais et le don maintenant? C'est une? Voilà, la capacité de faire quelque chose de surnaturel. C'est-à-dire que tu n'es pas né avec ça, on te l'a donné en chemin. D'accord? On te l'a donné en chemin. Ou bien tu pouvais avoir un talent que Dieu va ajouter quelque chose dedans et ça deviendra un don par la puissance de Dieu.
Alors, on va lire un texte dans Éphésiens chapitre 4 et le verset 8. Alors, Éphésiens 4, verset 8. Éphésiens 4, verset 8. Est-ce que le texte? Alors, il nous est dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Donc, le don est d'origine divine. Parce que quand il est dit, étant monté en haut, il s'agit de Jésus. D'accord? Jésus est mort, il a été enseveli et il est ressuscité. Maintenant, il intercède pour nous auprès du Père au moyen de son sang. Donc, puisque Jésus, son sacrifice a été accepté, donc il a fait des dons à l'Église après son intronisation. Donc, les hommes reçoivent des dons. Alors, versets 11 à 13, voyons un peu quels sont les dons qui sont reçus et pourquoi Dieu va donner ces dons. Éphésiens 4, versets 11 à 13. Alors, il est dit ceci, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alors, quels sont les dons qui ont été donnés? Il est dit, premièrement, il a donné les uns comme apôtres, d'accord? Donc, n'est pas apôtre qui le veut, c'est Dieu qui décide de cela. Les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Et dans quel but? Pour le perfectionnement des saints. C'est-à-dire que ces gens-là vont enseigner l'Église. Ils vont emmener l'Église par les enseignements, par les réprimandes, à atteindre la stature parfaite de Christ. De sorte que lorsque nous venons dans l'assemblée de Dieu, eh bien, Dieu nous parle. D'accord? Et nous devons dépasser le fait de voir l'homme. En fait, nous devons recevoir la parole comme ce qu'elle est, comme étant la parole de Dieu. Pour autant que cette parole soit en harmonie avec l'enseignement de la Bible. Alors, on va lire encore dans 1 Corinthiens 12, verset 1er. On va voir les dons. 1 Corinthiens 12, 1er. 1 Corinthiens chapitre 12 et le verset 1er. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Alors, quels sont ces dons? Versets 7 à 11. Versets 7 à 11. Il dit, or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'esprit une parole de à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc, on voit que le Saint-Esprit, c'est lui qui dirige l'Église. Et c'est lui qui va décider de que celui-là sera prophète, celui-là sera apôtre, celui-là aura le don de la foi, le don de guérison, le don d'opérer des miracles, le don... Et en fait, il va distribuer. Et on voit que ce ne sont pas les membres de l'Église qui vont décider. Ce n'est pas le pasteur qui va décider ça. Ce n'est pas l'organisation de l'Église
c'est le Saint-Esprit qui va donner à chacun un don. Et le don se manifestera dans la vie du croyant. Alors, le don remarqué ici n'est pas donné pour pouvoir nous gargariser, c'est-à-dire que vous dites, oui, bon, je fais des miracles, moi je parle diverses langues, c'est pas pour ça que c'est donné. Hein. Et remarquez ce qu'il dit, verset 7, « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Donc, si toi, tu as le don de guérison, c'est pour faire avancer toute l'Église. Si tu as le don de discerner les esprits, c'est pour faire avancer toute l'Église. Dieu ne donne pas de don pour notre propre satisfaction. Nous sommes morts en Christ et tout ce qui nous est donné, c'est pour le service de Dieu, pour faire avancer la cause de Dieu. De sorte que, oui, c'est bien d'avoir des dons. Alors, je vais vous poser une question. Dans tous ces dons qui ont été énumérés, est-ce que vous ne voyez pas qu'il manque quelque chose? Vous ne voyez pas? Est-ce qu'il n'y a pas des dons qui manquent là-dedans? Le don de? Oui, les évangélistes, ils prêchent. Alors, vous ne voyez pas? Il y a le don de? Oui, mais tous les chrétiens doivent prier. Hein? Mm-hmm. Les dons qui? C'est un don. Mais oui, vous ne voyez pas qu'il n'y a pas le don de garder déjà fait dans ça, alors. Il y a, dans tout ce qui est cité là, vous voyez, aucun don. Il n'y a pas de don de garder déjà fait. Il n'y a pas d'histoire de maison peinte en bleu. C'est pas, ça ne vient pas de Dieu. Lisons un texte dans Deutéronome, chapitre 18. Ces dons-là sont notés ailleurs. Ces dons-là sont notés, sont noté ailleurs. Deutéronome 18. À partir du verset 9. Et vous pouvez souligner ça dans votre Bible. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Hein? Qu'est-ce que Dieu appelle abomination? C'est une chose horrible. Donc, il dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Hein? Donc, ça veut dire que ce sont des gens qui font des sacrifices. Alors, personne qui exerce le métier, on n'a pas dit don, on a dit un métier, de devin, ce que nous appelons garder des affaires. Quimboisais, mentimentais, enfin, donnez-lui tous les noms que vous voulez, et comment on appelle ça encore, Boko, Baka, enfin, tout ça. Alors, il dit, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Dieu ne te le permet pas. Il y a don et don. Et chaque père donne des dons. Le Père des ténèbres donne des dons de ténèbres. Et ces dons de ténèbres, c'est ça. Mais comme il est rusé, il les fait passer pour des dons de lumière. Et c'est ainsi que vous trouvez des gens qui disent, non, pas fait mal, on va faire la magie blanche. Qui blanquit, nous, c'est magie, vous mettez devant. Donc, tu es dans les ténèbres. Dieu est lumière. D'accord? Il y a des gens qui disent, ils ont reçu un don. Et il y a des dons qui se transmettent de père en fils, de mère en fille. D'accord? En fait, ce ne sont pas des dons, c'est un esprit ancestral qui passe de génération en génération. Et ceux qui sont originaires d'Haïti connaissent ça bien, diable racial. C'est dans la famille, ça va passer comme ça. Alors, nous ici, on ne nomme pas comme ça, mais c'est le même phénomène. Dès que vous faites rentrer à Casao,
faut trouver un bon enfant, il a vie, c'est vie. C'est pourquoi Dieu nous dit de ne pas nous approcher de cela. Mais la bonne nouvelle, chers amis, même si il y aurait une telle situation dans votre famille, mais Dieu a prévu un moyen de briser cela. Et le moyen que Dieu a prévu de briser cela, c'est la croix de Jésus. Une fois que Dieu a planté l'autel à Golgotha, eh bien, quel que soit le diable qui était racial, qui était tout calte, il est arrivé auprès de la croix, il faut y freiner. Alors donc, tout le monde peut être délivré. C'est Satan qui veut faire croire, ah oui, tu es prisonnier, tu ne vas jamais... Non, c'est faux ça. Tu prends Jésus, quand tu as pris Jésus, c'est terminé. Tu appartiens à Jésus-Christ. Il fait des ordres dans les casas, il fait des ordres dans le portail, il fait des ordres tout partout, mais ou caché en Jésus-Christ. Amen. Donc, ces dons-là ne sont pas des dons de Dieu. Et il ne faut pas nous en approcher, parce que nous aurons des problèmes. D'accord? Maintenant, je continue. C'était juste pour faire nous mettre en garde. Alors, donc, Dieu a donné à l'Église des dons. Alors, qu'est-ce qui indique que ces dons particuliers, surtout en particulier celui de prophétie, celui qui nous intéresse, devaient faire son apparition dans l'Église de Dieu dans les derniers jours? Alors, dans 1 Corinthiens 1, versets 6 à 8, 1 Corinthiens 1, versets 6 à 8, alors je vais demander de me suivre, puisque là, je vais accélérer, je pense que j'ai pris un peu de temps pour vous expliquer la différence entre les vrais dons et les faux dons. 1 Corinthiens 1, d'accord, versets 6 à 8, il est dit, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, en sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'apôtre dit qu'il ne manque aucun don à l'Église jusqu'à la venue de Jésus. Donc, le don de prophétie sera dans l'Église jusqu'à la venue de Jésus. Et dans le livre d'Apocalypse, 12, verset 17. Apocalypse 12, verset 17. L'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ. Et notez ce texte, Apocalypse 12, 17. Il est dit ceci, et c'est très intéressant. Il est dit, et le dragon fut irrité contre la femme. Alors le dragon, c'est qui? C'est Satan, le diable, le serpent ancien. Il fut irrité contre la femme. La femme, c'est un symbole de l'Église. Et il dit, il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Donc, c'est-à-dire au reste des fidèles de Dieu. D'accord? Il dit, au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. À qui Satan fait la guerre? Il fait la guerre à l'Église, mais pas à n'importe quelle Église. Il fait la guerre à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Il y a deux choses. Si vous voyez un drapeau français, il manque une couleur dedans, ce n'est plus un drapeau français. C'est quelque chose, mais ce n'est plus un drapeau français. Enlevez la couleur que vous voulez, ce n'est plus un drapeau français. Donc, il faut qu'il y ait ces caractéristiques-là, ça. Donc, commandements de Dieu et qui gardent, qui ont le témoignage de Jésus. Mais les commandements de Dieu, on connaît les 10 commandements, mais c'est quoi le témoignage de Jésus? La Bible répond par elle-même. Apocalypse 19 et le verset 10. Apocalypse 19, 10. Ce sont des textes que vous pouvez retenir, marquer. Alors, l'apôtre Jean dit, quand l'ange lui a parlé, il dit, « Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. » Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Et l'ange lui dit, c'est quoi le témoignage de Jésus? Il dit, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc, l'Église de Dieu, dans les derniers temps, doit garder les commandements de Dieu et avoir l'esprit de la prophétie. Alors, maintenant, il faut quand même faire une distinction. L'esprit de la prophétie, c'est l'esprit qui a dirigé les prophètes. Et donc, l'esprit qui a dirigé les prophètes, c'est le Saint-Esprit. D'accord?
Donc, le Saint-Esprit sera dans l'Église de Dieu. Et comme le Saint-Esprit sera présent, le Saint-Esprit donnera le don de prophétie. D'accord? Donc, le don de prophétie se manifestera par la présence du Saint-Esprit. Est-ce que nous avons saisi cela? Donc, c'est l'Esprit qui a animé les prophètes, mais c'est lui qui va donner le don de prophétie. Alors, quelle doit être notre attitude à l'égard de la prophétie? La prophétie nous annonce les choses qui doivent arriver, d'accord? Pour que nous puissions avoir des jalons pour nous diriger dans le temps où nous sommes, d'accord? Donc, comment distinguer le chemin de Dieu? Comment distinguer, comprendre le temps dans lequel nous sommes? Jésus nous a dit, dans les derniers temps, comme Médi l'a enseigné, les hommes seront fanfarons, égoïstes, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, c'est ce que nous voyons. À cause de cela, nous savons que Jésus est proche, parce qu'il nous l'a dit. Donc, nous prêtons attention à la prophétie. Alors, dans 1 Thessaloniciens 5, versets 19 et 21, 1 Thessaloniciens chapitre 5, 19 et 21, alors, il dit ceci, « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. » Et je lis le dernier verset quand même, le 22, « Abstenez-vous de toute espèce de mal. » Pour que ça soit bien complet. Remarquez qu'il y a un danger, c'est qu'on peut éteindre l'esprit. Comment quelqu'un peut éteindre l'esprit? Comment un homme peut éteindre l'esprit de Dieu? En réalité, tu n'as pas un interrupteur où tu vas éteindre comme une lampe, mais c'est en refusant d'écouter ce que l'Esprit de Dieu te dit. Dieu te parle par ses prédicateurs, par la parole, il te parle par divers moyens, mais comme ça ne va pas dans ton sens, eh bien, tu détournes la tête, tu détournes l'oreille. À force de faire cela, à un moment donné, même si le prédicateur serait rempli de toute la plénitude de Dieu, tu es assis là, ça ne te fait absolument rien. C'est comme les gens qui sont rusés. 10 747 peuvent poser, se lever, ça ne leur fait rien. Ils sont habitués. Alors là, ta situation est pire que le gars qui est dans la rue. Mais oui, parce que là, Dieu te parle, mais toi, tu n'entends plus rien. Et n'éteignez pas l'esprit, il ne faut pas prendre ça à la légère. Hein? Et il dit, ne méprisez pas les prophéties. Donc, il faut étudier et examiner toutes choses, retenez ce qui est bon. Parce que certaines fois, les gens disent beaucoup de choses, mais il faut examiner. Il ne faut pas, parce que quelqu'un est venu dire quelque chose et dit que je suis un prophète, qu'il faut dire oui, amen. Attention, la Bible nous invite à la prudence, surtout dans le domaine spirituel. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 1, voilà le conseil qui nous est donné. 1 Jean 4, verset 1. Il est dit ceci. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et aujourd'hui, il y a tellement de prophètes, de personnes qui se proclament prophètes de l'Éternel. On voit des affiches publicitaires, prophète un tel. On a des prophètes à profusion. Mais bizarrement, tous ces prophètes, il faut envoyer la monnaie. Il faut envoyer la monnaie. La monnaie. S'il n'y a pas d'argent, on ne prophétise pas. Vous voyez? Mais il faut faire attention. Il faut faire attention. Il dit qu'il y a plusieurs faux prophètes. Alors, comment voir si le prophète, comment faire avec? Il nous dit il faut comparer avec la loi de Dieu. Ésaïe 8, verset 20. Ésaïe 8, verset 20. Donc, nous devons faire attention. Ésaïe 8, verset 20, parce qu'il y a des faux prophètes. Ésaïe 8, verset 20, qu'est-ce qu'il dit? À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Si on ne parle pas selon les Écritures, il n'y a pas de lumière pour le peuple. Le jour ne se lève pas sur le peuple demeure dans les ténèbres. Parce que, n'oubliez pas, l'Évangile, c'est la puissance de Dieu qui nous fait passer des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Donc,
Si nous n'agissons pas selon la parole de Dieu, eh bien, nous demeurons dans les ténèbres, nous nous faisons égarer. Alors, un autre texte, s'il y a des faux prophètes, mais il y a aussi des vrais, parce que Dieu n'est pas mort. Et voici le conseil de Dieu dans 2 Chroniques 20, verset 20. 2 Chroniques 20 et verset 20. La deuxième partie du verset, il est dit ceci. 2 Chroniques 20, verset 20. Confiez-vous à l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Donc, si nous voulons réussir, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous confier dans les prophètes de Dieu. Mais pour la grande question, c'est qu'il faut pouvoir dire si le prophète il vient de Dieu ou s'il ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu nous dit de nous confier dans le prophète. Mais comme il y a des faux et il y a des vrais, il faut pouvoir distinguer entre le vrai et le faux. Alors, comment faire cela? Mais Dieu nous donne la méthodologie, nous donne la solution. Un, nous avons lu Ésaïe 8, verset 20. Il dit à la loi et au témoignage. Donc, le prophète, il doit parler selon les Écritures, selon la loi de Dieu. Si le prophète vient et qu'il te dit que Dieu a aboli sa loi, maintenant là, on est libre. On est libre en Jésus-Christ. Il n'y a plus de loi. Alors, qu'est-ce que vous allez lui dire? Il y a des gens qui vont dire alléluia. On est libre en Jésus-Christ. Donc, mais il faut voir qu'est-ce que la Bible dit. Mais la Bible dit, mais le péché, c'est quoi? Le péché, c'est la transgression de la loi. Donc, si quelqu'un vient vous dire qu'il n'y a pas de loi, ça veut dire qu'il n'y a plus de péché. Mais quand vous regardez autour de vous, il n'y a plus de péché. Vous savez que la personne est en train de vous mentir. Vous savez que la personne est en train de vous mentir. Parce que le péché est partout. Et vous dit qu'il n'y a plus de péché. Donc, il faut raisonner à partir de la parole de Dieu. Et il dit, et au témoignage. D'accord? Et au témoignage. Et pour comprendre l'affaire de témoignage, Jésus va ajouter ceci dans Matthieu 7, verset 20. Matthieu 7, verset 20. Vous savez, tout le monde peut se déclarer prophète. Hein? Dieu n'interdit pas aux hommes de parler. Alors, verset 20, Jésus dit, alors on peut lire verset 18, il dit, un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Tout le monde peut déclarer qu'il est prophète, mais il dit, c'est à leurs fruits, c'est à ses actions. Donc, il faut observer, il faut regarder qu'est-ce que la personne fait, qu'est-ce qu'elle produit comme fruit. Il ne faut pas se précipiter. Il faut prendre un temps de réflexion. Parce que la personne, certainement, si elle est de Dieu, on verra les actions de Dieu. Mais si elle n'est pas de Dieu, tôt ou tard, on verra la griffe de Satan. Donc, il faut être attentif. Ça me fait penser à quelqu'un qui se dit grand prophète et il fait tellement de choses. Et finalement, voulant faire tellement de choses, et il se sentait tellement porté sous les nus, il a organisé une fausse résurrection. Et c'est passé sur toutes les antennes, toutes les chaînes. Et vous connaissez les Européens, ils sont montés rapidement en Afrique, ils ont été faire leur enquête. Et ils ont trouvé que c'est un gars qu'on avait payé pour coucher dans le cercueil. Un faux mort. Un faux mort. Dernièrement, il y a un au Congo. Il a prophétisé avec assurance qu'il n'y aura pas d'élection présidentielle. Dieu lui a révélé qu'il n'y a pas d'élection présidentielle au Congo. C'est la première fois qu'on a organisé une élection présidentielle vite comme ça au Congo. Maintenant, là, il doit prendre un avion, sortir au Congo parce qu'il ne peut plus aller prophétiser dans son propre pays. Voyez? Avant, il prophétisait, ça marchait. Mais tôt ou tard, on va voir que c'est un faux prophète. Alors donc, il dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et s'il est de Dieu, il aura de bons fruits selon Dieu. Et dans le Deutéronome 18, verset 22, Deutéronome 18, verset 22,
Deutéronome 18 et le verset 22. Il est dit ceci. Alors, Dieu dit, peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtra-t-on la parole que l'Éternel n'a point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dit, n'aie pas peur de lui. Donc, s'il est prophète de l'Éternel, ce qu'il dit, ça va arriver, parce que Dieu ne ment pas. Mais si ça n'arrive pas, c'est pas de Dieu, c'est lui qui a pris sur lui pour dire ses affaires. Et l'homme, certaines fois, a tellement envie de faire des choses que certaines fois, il prophétise par lui-même. Et Dieu dit, attention, il faut regarder si ce qu'il dit arrive. Si ça n'arrive pas, ce n'est pas de Dieu. Donc, tu n'as pas à craindre cet homme. Alors, Deutéronome 13, versets 1 à 4, lorsqu'il va prophétiser, Deutéronome vont conduire le peuple à obéir à Dieu et non à s'éloigner de Dieu. Alors, il est dit ceci, s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement du signe ou du parole de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel votre Dieu et vous le craindrez, vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Alors, voyez, il y a beaucoup de gens qui prophétisent. Il dit, mais si ce qu'il te dit te détourne de la voix de Dieu, il dit, il ne faut pas le suivre. Maintenant, pour tous ceux qui ont envie d'être prophètes et qui prophétisent à longueur de journée, il faut lire le verset 5. Il dit, ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de servitude. Et il voulut te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Vous savez, il y en a beaucoup de ces prophètes qui meurent. Hein? Ils meurent très jeunes. Par contre, on ne fait pas tellement de publicité. Mais si vous cherchez, ils disparaissent vite. Parce que la parole est écrite. Alors, que l'on fasse attention, si quelqu'un veut se lever comme prophète, assurez-vous que vous êtes bien dans les voies de Dieu. Parce que ce n'est pas écrit pour rien. L'Éternel venge son nom. Donc, Dieu ici nous dit, voilà, comment on peut reconnaître à la loi et témoignage selon leurs fruits, ses prédictions s'accompliront, ses enseignements emmèneront à l'obéissance et non à la désobéissance. Maintenant, lorsque nous voyons dans l'église adventiste, effectivement, eh bien, nous avons reçu le don de prophétie. Et le don de prophétie s'est manifesté au travers du ministère de sœur Hélène G. White, d'accord? Hélène G. White, elle est née aux États-Unis le 26 novembre 1827 et elle avait une sœur jumelle nommée Elizabeth. Et ses parents étaient Robert et Eunice Harmon, puisqu'elle s'appelait Hélène Harmon. Elle a été baptisée en 1840 à l'église méthodiste et en 1840, à l'âge de 13 ans, elle fut baptisée à Portland dans le Maine et elle fut reçue comme membre de l'église méthodiste. En 1843, elle fut radiée de cette église à cause de ses idées adventistes. Et donc, après, elle a reçu ses visions de la part de Dieu, d'accord? En novembre 1848, elle a reçu l'ordre de développer l'œuvre par le moyen de la page imprimée. Donc, nous avons des livres que vous avez reçu aussi, qui parle de la santé, qui parle de la spiritualité, la tragédie des siècles. Et cette sœur est morte le 16 juillet 1915 et elle fut enterrée le samedi 24 juillet à Battle Creek, au cimetière de Oak Hill. Alors, Hélène White a écrit de nombreux ouvrages, Jésus-Christ, tragédie des siècles, prophète et roi, conquérant pacifique, et des ouvrages qui aujourd'hui encore parlent. Et si l'Église adventiste est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est grâce au ministère d'Hélène White. Parce que Dieu, par son biais, a transmis des instructions à l'Église qui a permis d'organiser l'Église et de développer l'Église. Et si l'Église est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est grâce à ce ministère. Et donc, dans « Comment Dieu, l'histoire a un sens »,
et quels sont les événements qui sont devant nous. Et vous avez un très bon livre aussi, les événements ont été bien réels et que l'Église jusqu'à maintenant n'a pas erré grâce à tous ces enseignements. Donc, les livres sont là, étudiants, et la Bible nous dit que dans les derniers temps, eh bien, l'Église de Dieu gardera les commandements de Dieu, c'est ce que nous prêchons, et aussi le témoignage de Jésus-Christ, et c'est ce que nous vous apportons. Donc, que Dieu bénisse chacun et qu'il nous aide à lire. Et chers frères et sœurs, je vais dire aux frères et sœurs de lire, lisez les livres. Maintenant, c'est sur Internet, partout, lisez, parce que la connaissance vient de la lecture. Que Dieu bénisse chacun et qu'il nous aide à avoir confiance en Dieu et dans ses prophètes. Merci. Vous avez eu une étude assez enrichissante, j'espère, ça a été pour vous. Donc, on a développé le don que Dieu a donné à tout chacun. Donc, sans tarder, nous allons chanter ensemble. Car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Chantons ensemble, debout s'il vous plaît. Donc, je la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, nos chers frères et sœurs, nos amis qui sont sur le live. Bienvenue à vous. Dis à ton voisin que Dieu est bon. Dis à ton voisin, Dieu est bon. Il m'a fait du bien. Ne dis pas le voisin. Dieu est bon, il m'a fait du bien. Dieu est bon, il m'a fait du bien. Ô mon âme, lève-toi, loue l'Éternel. Lève-toi, loue l'Éternel. Lève-toi l'Éternel, car Dieu est bon. Je vous invite à compter les bienfaits de Dieu. Comment Dieu a été bon avec nous au cours de la semaine? Y a-t-il quelqu'un qui peut se lever spontanément et louer Dieu et dire à Dieu tes bienfaits, qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Spontanément, une bonté, une gratitude, une grâce. Quelqu'un peut-il témoigner pour Dieu, dire Dieu est bon, il m'a fait du bien? Je chanterai tous les jours. Il y a personne qui veut. Voilà. Il y a Chantal qui veut dire que Dieu est bon, Dieu l'a fait du bien. Bonjour à tous. Je vais vraiment témoigner de la grâce, de la miséricorde de l'Éternel. Il a été vraiment bon pour moi, qui soupirait après lui depuis quelque temps parce que je lui demandais un changement dans mes fonctions. Et au-delà de ce que je pouvais penser et de demander à Dieu, il l'a fait. Il l'a fait dans une grande adversité parce que c'est sur plus de 300 personnes qui pouvaient postuler. Nous étions trois, une a désisté. Et vraiment le Seigneur, c'est lui qui m'a mis en avant parce que je vous dis, j'avais préparé une fiche tellement complète pour moi, pour cet entretien. Et j'arrive et je me suis dit, je vais arriver avant, je vais réviser ma fiche et tout. Et j'avais oublié la fiche dans le cahier de prière. Donc,
Quand je suis arrivée devant le jury, j'ai dit, Saint-Esprit, toi seul pourras remplir ma bouche. Et il l'a fait. Et hier, j'ai su que vraiment le Seigneur m'avait choisi. Et je lui dis merci, je lui donne toute gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bon, on a chanté le refrain, comptons les bienfaits de l'Éternel. Les chants, comptons les bienfaits de Dieu. Les bienfaits de Dieu, car il fait des grandes choses pour nous. Nous louons Dieu pour sa bonté en ce matin, car sa bonté se renouvelle chaque matin. Jérémie 31 nous dit, de loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel, ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Tu établis ta fidélité dans les cieux. Car qui dans les cieux peut se comparer à l'Éternel? Y a-t-il un Dieu comme notre Dieu? Non. Nous dit dans le psaume 89, versets 1 à 3. Vous avez appris, vous avez compris aujourd'hui que nous parlons de la bonté de l'Éternel. Tabat dernier, Léla nous a parlé de la bonté, mais elle a défini ce que c'est la bonté. Aujourd'hui, portons notre regard sur Jésus. Nous dit dans Jésus-Christ, ce livre dont le premier ancien a parlé de Ellen White, qui a écrit ce livre Jésus-Christ, à la page 73, nous lisons, Jésus ne défendait pas âprement ses droits, pas brutalement, ni sévèrement, ni avec obstination ses droits. Souvent, sa tâche était rendue plus difficile qu'il n'était nécessaire à cause de sa connaissance et de son refus de se plaindre. Néanmoins, il ne faiblissait pas. Il ne cédait pas au découragement. Il vivait au-dessus de cette difficulté, comme à la clarté de la face de Dieu. Au lieu de se venger quand on lui faisait du tort, qu'est-ce qu'il faisait? Il supportait patiemment l'injure. On ne cessait de lui demander, pourquoi te laisses-tu ainsi maltraiter, même par tes frères? Qu'est-ce que Jésus disait? Il est écrit, déclara-t-il, mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mon commandement. Ils t'assureront de longs jours, des années de vie et de bonheur. Que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas, ne t'abandonnent point, lis-le à ton cou et écris-le sur la table de ton cœur. Ainsi, tu trouveras grâce et tu auras la vraie sagesse aux yeux de Dieu et des hommes. Le voulez-vous bien? Il n'y a que l'Esprit du Christ qui puisse mettre dans nos cœurs cette bonté. Rien d'autre que le Saint-Esprit. Faisons de cela un sujet de prière, de fond de placement. Plaçons, demandons à Dieu de faire de nous de la bonté dans notre cœur. Tu peux prier aussi pour quelqu'un qui a un cœur dur, qui a du mal à manifester la bonté, la douceur, et demander à Dieu d'agir dans son cœur. Et Dieu, par le Saint-Esprit, va le faire, va le changer. Moi, je décide de donner mon cœur à Jésus et vous. Voulez-vous donner votre cœur à Jésus? Voulez-vous tout lui abandonner entre ses mains? Voulez-vous donner votre cœur à Jésus? Alors, disons, prends tout, Seigneur. Prends mon cœur. Prends entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'ai, tout ce que j'appelle mien. Oui, prends, Seigneur, prends mon cœur. Chantons ensemble aux strophes 1 et 4. Prends tout, Seigneur. Je t'abandonne tout ce que j'ai.
Dieu notre cœur et croyant que Dieu fera une transformation et la bonté de Dieu va y régner notre cœur. Merci à vous pour votre écoute. Bon sabbat à vous. On va continuer avec la santé avec Fred. Je vous dis bonjour à tous ce matin. J'espère que vous êtes en pleine santé. Car lorsque vous voyez ce moment de santé, nous allons parler de notre jardin botanique qui nous donne toute espèce de plante médicinale pour que nous soyons en bonne santé. Pas vrai? Alors, j'ai emmené une plante ce matin avec moi. Je le passe comme ça rapidement, d'accord? Afin que vous ne puissiez pas le discerner rapidement ce que c'est. Alors, c'est quoi? Ortie, gros outil, et c'est agréable. Ah, il y a certains qui pensent que c'est pas agréable. Parce que pourquoi c'est pas agréable? Parce que ça pique, ça gratte. Eh bien, il paraît que les dards de cette plante, c'est exactement comme ceux de la guêpe, des autres insectes qui piquent, mais en moins de quantité que celui de la guêpe. Ça va gratter, gratter longtemps, longtemps. C'est pourquoi lorsque ça vous gratte, ça vous passe dessus, ne le frottez pas. Non, ne faites rien du tout. Laissez passer la brûlure et ne le grattez pas. Plus vous allez gratter, pique et grattez-vous. D'accord? Donc, il ne faut pas le gratter du tout, du tout, du tout. Alors, je vais vous parler ce matin des bienfaits, mais avant tout, je voudrais lire dans Cantique des Cantiques au chapitre 4. Cantique des Cantiques au chapitre 4, rapidement. Il nous est dit au verset 13 à 15, il nous dit « Tes jets forment un jardin où sont des grenadiers avec les fruits les plus excellents, les troènes avec le nard et le safran, le roseau aromatique et le cinnamome. » Avec tous les arbres qui donnent l'encens, la myrrhe et l'aloès, avec tous les principaux aromates. Une fontaine des jardins, une source d'eau vive, des ruisseaux du Liban. Lève-toi, Aquilon, viens, etc., etc. D'accord? Et il dit que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange ses fruits excellents. Nous voyons que nous apprécions beaucoup le jardin de Dieu, pas vrai? Et ce matin, je vais vous parler des bienfaits de l'ortie ou bien gousoutie, comme vous voulez. C'est un détoxifiant, donc ça détoxique le corps qui est quelquefois encrassé avec tout ce qu'on mange. On mange tellement de choses. S'il faut que je détaille tout ce qu'on mange et qu'il n'est pas agréable au corps et que le corps a du mal des fois à éliminer, alors voilà ce que l'ortie fait. Donc, si vous avez des inflammations chroniques, si vous avez des allergies, c'est une des plantes médicinales et la plus importante à notre disposition. Même s'il y a certains qui ne l'apprécient pas, mais vous allez peut-être l'apprécier après. Ce matin, c'est la partie médicinale que je vais toucher avec vous. Et une autre fois, nous allons parler de la partie alimentaire et de la partie botanique. Alimentaire, donc on peut se nourrir aussi en faisant des tartes, en faisant d'autres aliments avec, en le mélangeant dans nos aliments, d'accord? Mais ne le prenez pas comme ça. Je vais vous dire comment il faut le préparer, d'accord? Donc, sous la partie alimentaire, sous la partie botanique, comment on peut la cultiver? Parce qu'elle pousse n'importe où. Elle peut pousser dans des endroits qui sont désagréables, comme dans les déchets, etc. Mais selon l'endroit où ça a poussé, bon, il y aura peut-être des désagréments là-dedans. Mais cultivons plutôt l'ortie près de chez nous. Alors, donc, il y a dans l'ortie beaucoup de vertus, des vertus qui sont très puissantes pour nous. Donc, il est riche en fer. Pour ceux qui ont de l'anémie, c'est très riche en fer. C'est un puissant anti-anémiant. Il est riche en protéines, au moins 30%, d'accord, dans l'ortie a de la protéine. Il est un puissant reminéralisant parce qu'il a tous les minéraux à l'intérieur. Il est riche en vitamines A, B, avec tous les vitamines B, K, C. Il a aussi du calcium, du magnésium, du potassium,
en fait, tous les oligo-éléments possibles que nous trouvons. Et il y a un oligo-élément qui est très bon et qui fait partie des guérisons pour ceux qui le connaissent. Lorsque nous le faisons en jus vert, il contient de la chlorophylle. Il n'y a pas beaucoup de connaisseurs. Il contient de la chlorophylle. Pourquoi? Parce que la chlorophylle va nourrir et va permettre à la flore intestinale de mieux assimiler les aliments que nous ingurgitons. Donc, elle s'emploie beaucoup dans le cas de dénutriments. Si vous avez un problème de dénutriment, vous êtes un peu, je ne vais pas dire beaucoup, mal nourri, c'est ça en question, qu'on est mal nourri, parce que quand on regarde les visages, je regarde les visages ce matin, on peut dire s'il y a quelqu'un qui s'est bien nourri, qui se nourrit assez bien. Parce que pourquoi le visage est figé? Pourquoi vous êtes figé comme ça parce que vous me regardez? Voilà, ça doit détendre l'atmosphère. Donc, quand on emploie les feuilles d'ortie, elle alimente en fait tout le corps. Donc, elle peut aussi être bon pour les carences et elle est bon pour quelqu'un qui est dans un état de faiblesse, surtout pour les jeunes. Si par exemple vous faites du sport à l'école et que vous vous sentez un peu fébrile, d'accord, dites à maman de faire un petit peu de jus d'ortie pour vous, d'accord, ou de sirop d'ortie. Et des fois, lorsque nous mangeons trop gras, trop sucré, trop salé, eh bien, ça encrasse le corps. Et l'ortie est là pour nous désencrasser. Elle s'emploie lorsque on est stressé, c'est-à-dire lorsqu'on a le visage tendu comme ce matin. Pourquoi vous me regardez comme ça? Détendez-vous, soyez moins stressé, d'accord. Elle s'emploie aussi dans l'élimination des déchets, de la dépuration. Elle désintoxique, elle nettoie notre foie, elle nettoie le rein, elle nettoie la rate, elle nettoie le pancréas, elle nettoie tout ce qui peut nous débarrasser des toxines que nous avons dans le corps. Elle stimule les reins qui sont remplis de déchets de toutes sortes. Elle calme aussi les articulations. Il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes d'articulation. Ils souffrent de leurs articulations. Ils souffrent de pas mal de problèmes de cartilage. Et donc, c'est bon aussi pour les gens qui ont beaucoup d'inflammation. Pour aussi les gens qui ont de l'allergie aussi, d'accord, qui font de l'allergie, donc qui ont des problèmes du système respiratoire, comme les, par exemple, qui font de l'asthme. Donc, c'est bon aussi pour ça. Je ne dis pas que ça va guérir, mais ça va vous soulager, ça va vous calmer si vous avez des crises d'asthme. Donc, nous voyons que les feuilles d'ortie, nous allons parler des racines tout à l'heure, et ça va concerner un petit peu les hommes. Donc, les feuilles d'ortie, comment on peut consommer les feuilles d'ortie? Alors, lorsqu'on vient à le cueillir, d'accord, c'est vrai que ça pique. Comment on va faire pour le dépiquanter? On va dire ça comme ça. Alors, je vous écoute. Comment on le dépiquante? Hein? Alors, j'entends qu'on le met dans de l'eau chaude. Après, on le laisse à tremper. Le plus simple, c'est de le laisser sécher. D'accord? Quand il sèche et puis les urticants qui sont dessus va sortir tout naturellement. Après ça, on va laver à l'eau claire et ensuite nous allons l'utiliser pour faire du jus, pour faire de la tisane, pour faire aussi une poudre, d'accord, pour mettre dans les repas. Donc les feuilles de tisane, on l'utilise dans plusieurs cas médicinaux. D'accord, dans le but d'augmenter le volume des urines, ce qui aide à drainer les voies urinaires en cas d'infection ou à prévenir la formation de calculs rénales. D'accord, urinaire plutôt, pas rénal, urinaire. Donc ça augmente, d'accord, le volume d'urine. Donc ça va nous faire aller beaucoup aux toilettes. La poudre d'ortie est pleine de bienfaits sur notre santé. C'est une solution naturelle pour les personnes qui ont des problèmes d'acné, d'accord, surtout pour les peaux qui sont claires, d'accord, on voit ça apparaît beaucoup. Donc, ça peut faire disparaître les petits boutons qui sont désagréables à voir quand on se regarde dans le miroir. On se dit, oh là là, on casse ça, c'est pas bon, faut pas casser, d'accord. Donc, faisons une utilisation des feuilles de l'ortie et cela va permettre à l'acné de disparaître, pas tout de suite, mais au fur et à mesure que nous allons l'utiliser. C'est une solution naturelle et un anti-inflammatoire
pour les articulations, je l'ai dit. Elle est prescrite en phytothérapie, d'accord, pour les troubles du foie, je l'ai dit, de la rate, des crampes aussi, des ulcères, des maladies pulmonaires, donc je l'ai dit aussi, troubles respiratoires, pour la diarrhée, des gens qui ont des diarrhées aussi, de l'arthrose, de l'arthrite, de la névralgie, c'est-à-dire des gens qui ont souvent des maux de tête et ça ne passe pas du tout. Faites des tisanes de la feuille d'ortie. Ceux qui ont de la sciatique aussi, rhumatisme et des douleurs articulaires. Il y a tellement de choses à dire qu'on n'aura pas le temps de dire tout. Alors donc, il y a une chose que je voulais dire. Oui, la feuille d'ortie, d'accord, elle est bonne aussi pour la fatigue, donc pour l'anémie. Elle stabilise aussi la communication nerveuse pour permettre au système nerveux d'être plus stable et pour mieux fonctionner et stimuler les organes d'épuration, c'est-à-dire avoir un bon fonctionnement dans le corps. Oui, je te donne la place. Assieds-toi toujours parce qu'il n'y a pas de chaise. Donc, je termine avec la racine. C'est surtout pour les hommes, ça nous concerne, nous les hommes. Pourquoi? Parce que la racine d'ortie, d'accord, a des propriétés différentes de la feuille. La racine d'ortie combat l'hyperplasie ou de la prostate chez les hommes ou l'adénome de la prostate. C'est-à-dire que ça va empêcher la prostate de se développer. Ça va empêcher la prostate de se développer et comme ça, vous allez pouvoir aller uriner très facilement et ne pas avoir du mal à uriner. Donc, la prochaine fois, on va peut-être partager plus encore sur l'ortie. D'accord, ce matin, c'était juste une petite approche sur les feuilles et les racines d'ortie. Que Dieu nous bénisse et nous fortifie dans tout ce que nous mangeons, tout ce que nous buvons, tout ce que nous faisons comme usage des plantes de le grand jardin de Dieu. Tu passes tout de suite ou bien on prie avant? D'accord, je pense qu'on prie avant. On va se mettre debout et on va remercier Dieu de nous avoir accordé une école du sabbat assez riche, d'accord, ce matin, et que nous puissions nous préparer pour la suite du culte. Notre Père et notre Dieu qui est dans les cieux, à toi soit l'honneur, la gloire, la louange, l'adoration, l'élévation, la majesté, la grandeur. Nous te disons merci, Père, pour tous les bienfaits que tu nous accordes. Tu nous donnes un temps clément, oui, parce que nous sommes en plein sabbat. C'est vrai, le soleil est là, mais aussi la joie est sur notre cœur parce que nous apprenons, Seigneur, que tout ce que tu as mis en place depuis la création dans le jardin d'Éden, malgré le péché, nous trouvons encore des bienfaits dans ton grand jardin naturel afin que nous puissions puiser, Seigneur, les éléments qui sont là pour permettre à notre santé d'être fortifiée et que nous puissions être en mesure de te louer, de te rendre gloire et de t'adorer dans le nom de Jésus. Bénis chacun de nous en ce jour de sabbat et que ton nom seul soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. As little children, we would dream of Christmas morn, and all the gifts and toys we knew we'd find. But we never realized a baby born one blessed night gave us the greatest gift. That he gave his life. We are the reason Jesus suffered and died. To a world that was lost, he gave all he could give. To show us the reason to live. As the years went by, we learned more about gifts, the giving of ourselves and what that means. On a dark and cloudy day, a man hung crying in the rain because of love. Because of love.
Cette cité qu'il monte à nous préparer. Je voudrais voir d'où sauveur les voûtes du ciel. Je voudrais voir ton ciel de coutillant des feux. De tous les feux. Je voudrais voir ton ciel de Dieu. Voir les élus. Je voudrais voir tous les élus. Voir mon sauveur. Je voudrais te voir. Jésus, tu nous appelles. Jésus, tu nous appelles. Et nous voici fidèles, prêts à suivre tes pas. Conduis-nous encore.
appel à l'adoration. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisant retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venons, venez, prosternons-nous et humilions-nous. Réfléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu. Amen. Ce matin, nous voulons te dire merci pour la vie que tu nous donnes, Seigneur. Et nous voulons demander que tu puisses, à ton tour, nous accorder, Seigneur mon Dieu, la vie en Jésus, la délivrance, mon Dieu, en Jésus. Nous accorder, mon Dieu, le regard clair sur qui tu es, afin qu'on puisse sortir de ce lieu, mon Dieu, vivifié et heureux. Nous t'avons prié, Père, non que nous soyons dignes, mais en Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous vous remercions d'être dans la maison du Seigneur ce Saint-Sabbat. Nous vous disons de vous sentir à l'aise et aussi bien que tous les invités, tous ceux qui sont là pour louer le Seigneur. Mm-hmm. Sentez-vous à l'aise au nom de Jésus, notre Sauveur, et pour ta gloire. Amen. 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 Je vous invite à chanter au numéro 27, Adorons le roi glorieux. Notre texte ce matin est tiré du livre de Jean 1er, en Jean 1er, chapitre 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Prosternons-nous. Tu es Dieu.
prosternés, nous confessons, Éternel notre Dieu, tu es notre Dieu. Tu es Dieu en bas sous la terre, tu es Dieu sur la terre, tu es Dieu dans les lieux élevés, dans le ciel. Qui est comme toi? Il n'y a pas d'autre Dieu. Nous nous prosternons, nous les fils de l'homme, devant toi, au nom de Jésus. Nous méritons la mort, nous ne sommes pas dignes de lever les yeux vers toi. Mais dans ta miséricorde, nous venons à toi, en son nom, en ce sabbat, afin de t'adorer et te dire, tu es grand, tu es tout puissant et tu es digne de louange. Notre cœur, Seigneur, s'élève à toi au nom de Jésus. Veux recevoir nos louanges, l'assemblée de la brousse, Seigneur, nous t'offrons nos cœurs au nom de Jésus. Car c'est Jésus qui est venu, c'est Jésus qui est mort, c'est Jésus qui est ressuscité. Maintenant, il est à ta droite, il est en train de plaider pour nous. Seigneur, si nous sommes là, si nous pouvons te parler, si nous pouvons te voir et t'entendre, c'est uniquement grâce à Jésus. À l'agneau de Dieu soit la gloire, la louange au siècle des siècles et d'éternité en éternité. Éternel, tu as laissé le Saint-Esprit pour nous guider, pour nous montrer la voie, pour ouvrir notre intelligence. Nous glorifions ton esprit en ce matin. Et nous te demandons, Seigneur, que ton esprit repose sur chacun de nous. Que ton esprit nous aide à comprendre, Seigneur, à chasser l'ombre, Seigneur, de l'obscurité, du malin, afin de déceler notre intelligence, d'enlever l'obscurité, l'obscurantisme qui est dessus, et que nous puissions voir la lumière, Seigneur, qui est Jésus. Ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs, que ton esprit vit en nous, que ton esprit nous guide, Seigneur, afin que nous puissions guider les autres à ta lumière. Éternel, en ce matin, nous te remercions pour la vie, nous te remercions pour la semaine, nous te remercions pour les uns qui nous a préservés de bien des dangers. Nous te remercions pour cette semaine de prédication, pour ton serviteur qui a pu venir chaque soir afin de prêcher ta parole. Nous te remercions pour ces paroles, Seigneur, qui sont en ligne, afin par ton Esprit Saint que les âmes soient gagnées à toi. Seigneur, en ce matin, nous te demandons, en ce sabbat, la délivrance dans nos corps physiques, mentaux et spirituels. Nous qui sommes tes enfants baptisés, mais nous n'avons pas manqué, Seigneur, de désobéir. Brisons-nous l'orgueil, brisons-nous l'arrogance, que nous soyons à la ressemblance de Jésus. Viens, Seigneur, nous inonder, viens changer nos cœurs, nos pensées, nos regards. Unis-nous à toi, que nous formons l'assemblée de Dieu et que nous marchons en sauvés. Seigneur, que d'autres âmes viennent à toi. Bénis ce quartier, bénis ce territoire, bénis la Guadeloupe, Seigneur. Notre pays part dans la violence, la criminalité. Étends ton bras, fais-nous des porteurs de lumière, Seigneur, des intercesseurs. Donne-nous cette force par la puissance de l'Esprit d'apporter cette bonne nouvelle à tous. Éternel, étends ton bras, Seigneur, sur Israël, sur Gaza, sur l'Ukraine. Seigneur, partout il y a les guerres en Haïti. Seigneur, les personnes meurent de faim, les personnes ont soif, ils ont besoin de toi. Ils n'ont où se poser la tête. Nous, nous pouvons dormir, mais eux, ils ne savent où aller, Seigneur, sous les bombes. Seigneur, mets ta main, il n'y a que toi. Les puissances des cieux sont ébranlées. Matthieu 24 nous le dit. C'est pour ça, Seigneur, donne-nous cette zèle de l'évangile, que nous puissions parler de toi et que nous n'ayons pas peur et que tous entendent cette bonne nouvelle. En ce sabbat matin, Seigneur, avant de nous relever devant toi, Seigneur, bénis la dîme que nous t'avons apportée. Bénis les offrandes qui sont aussi apportées d'un cœur sincère et la part qui est restée à la maison. Multiplie, Seigneur, comme tu as fait pour la veuve de Sarepta. Enlève le doute en nous, Seigneur. Pourvois pour nous. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de ta part? Seigneur, quelqu'un s'attend à toi aujourd'hui par un miracle, par une manifestation, Seigneur, de ta bonté. Seigneur, augmente-nous la foi. Seigneur, ouvre les portes fermées pour nous. Brise les chaînes. Dans cette boîte, il y a des pleurs, des soupirs, des demandes. Selon ta volonté, réponds à nos attentes au nom de Jésus. Éternel, que nous puissions accepter ta volonté. Tu es un Dieu qui a dit, si on revient à toi, tu ne vas pas nous renvoyer à vide. En sortant de ce lieu, en nous relevant, nous avons la foi que tu nous as délivrés au nom de Jésus et que tu as répondu à nos attentes. Le malin n'a pas sa place ici. Manifeste-toi, passe dans les rangs, souffle ton esprit sur chacun de nous. Aide-nous, Seigneur, à partir en vainqueur et utilise-nous, Seigneur, pour soulager les âmes découragées. Seigneur, notre Dieu, notre Père, à nouveau, nous déposons Mehdi entre tes mains. Roule de ton Esprit Saint. Bénis cette assemblée. Bénis ce quartier. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Parle-moi.
service de fidélité. Aujourd'hui, le monde a surtout besoin d'hommes, non pas d'hommes qui puissent s'acheter ou se vendre, mais des hommes qui soient fidèles et honnêtes jusque dans l'intimité de leur âme, d'hommes qui ne craignent pas d'appeler le péché par son nom et dont la conscience est aussi fidèle au devoir que la boussole l'est au pôle, d'hommes qui tiendraient pour justice et la vérité même si l'univers s'effondrait. Ce texte a été tiré de Ellen G. White, Éducation, page 55. Les diacres passeront dans les rangs à récupérer les dîmes et les offrandes. Je vous remercie. Bonjour. Mais il manque des enfants ici ce matin. Oui, je te vois, Anthony. Bienvenue. Qui c'est qui manque? Bonjour, toi. Comment tu t'appelles? Inaël. Eh bien, bienvenue. Qui c'est encore? Bonjour, petite fille. Comment tu t'appelles? Imani. Tu ressembles à une petite princesse. Qui c'est encore? Le frère d'Imani. Bonjour. Bonjour. Tu t'appelles comment? Isaiah. Eh bien, bienvenue, hein? Bonjour les jeunes. Ça va? Mais il manque quand même des enfants. Ah oui, il y en a là. Bonjour, vous allez bien? Viens et Joël, assieds-toi. Il y a des jeunes qui sont restés derrière que je ne vois pas. Ils sont là. Eh bien, bienvenue, hein? Je vais faire un petit jeu avec vous ce matin. Je vais demander un volontaire.
Bon, il y a tellement de personnes. Je vais choisir Gabriel. Viens. Ouais. Je vais faire quelque chose. Baisse-toi. Baisse-toi un petit peu. Je vais te mettre un bandeau sous les yeux. Mais il ne faut pas tricher. Hein? Ok. Tu ne triches pas. Ah. Tu voyais? Non. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Je vais te demander. Attends. Où est ta maman? Elle est où? Hein? Mais je ne sais pas où elle est. Ah, par contre, j'ai mal aux yeux. Ah oui, je te demande d'aller chercher, bon, quelque chose de plus simple, hein? Qui c'est que je vais lui demander? Va choisir pour moi quelqu'un dans la salle. Plus par là. Va me choisir frère Songeon et Ribéo. Oh, mais je ne sais pas c'est qui. Eh bien, va le chercher, débrouille-toi. C'est pourquoi je t'ai mis. À quoi il ressemble? Tu connais pas frère Songeon? Non. Tu connais pas Papy et Ribéo? Qui joue au piano? On l'appelle toujours Papy. Eh bien, va me le chercher dans la salle. Non, tu ne retires pas le bandeau sous tes yeux. Il ne faut pas tricher. Allez, va le chercher. Est-ce que tu as une idée où il est? Eh bien, il est où? Eh bien, touche-le pour moi. Va le toucher. Eh bien, non. Eh bien, ouais, non, c'est... Eh bien, reviens, Gabriel. C'était juste un petit jeu pour pouvoir introduire mon histoire. Tu n'as rien vu, d'accord? Parce que tu avais un bandeau sur les yeux. Tu n'as rien vu, d'accord, merci. C'est pour introduire l'histoire. Eh bien, ce matin, vous savez que cette année, nous étudions quoi? Qu'est-ce que nous étudions? Le thème, c'est quoi? Les 28... croyances au service de Dieu. Non, les 28 croyances... Cette année, c'est le thème. Et ce mois-ci, Tati Martine nous a parlé la semaine dernière du grand conflit. Et on avait dit, c'était quoi un conflit? Un conflit, c'est quoi? Un problème entre deux personnes, deux royaumes ou deux villages. Ouais. D'accord. C'est des problèmes. Ça peut être la guerre, ça peut être autre chose. D'accord? Et aujourd'hui... Le titre, c'est la guerre entre Satan et les êtres humains. La guerre entre Satan et les êtres humains. Mon histoire. Maman recommande à Ilan, c'est pas notre petit Ilan Bourdin, d'accord? Eh bien, un petit garçon qui s'appelle Ilan avec son frère Noli. Maman leur dit de ne pas toucher à la boîte contenant les jolies balles. Ils doivent seulement passer un chiffon mouillé sur deux balles sur lesquelles le prix est resté collé. Je me demande pourquoi maman ne veut pas qu'on prenne les autres balles, dit Noli, alors qu'on peut toucher à celle-ci. Et Ilan qui répond, si maman a dit de ne pas toucher, il ne faut pas toucher. Quels sont les enfants ici qui aiment obéir? Les enfants qui aiment obéir, qui obéissent? C'est bien, c'est bien. Des enfants qui obéissent systématiquement, c'est très bien. Quand maman dit de ne pas faire quelque chose, c'est bien. Ah, il y a de bons enfants ici, hein? C'est très bien. Tu écoutes ta maman? Oui. C'est très bien. Toi aussi, Naïlis? Moi, j'écoute mon grand frère. Oui, Marwin? Oui, tout le monde, tout le temps, tu écoutes. Moi, j'écoute ma grand-mère. C'est très bien. Il n'y a que ta grand-mère que tu écoutes. Mais c'est bien. Alors, du coup, on continue. Naël, tiens-toi bien, s'il te plaît. On continue. Alors, maman dit de ne pas toucher. Et les enfants ne comprennent pas pourquoi maman a dit, surtout Noli, de ne pas toucher. Et l'âne qui répond, maman a dit de ne pas toucher. On ne doit pas y toucher. Un point, c'est tout. Mais 5 minutes plus tard, Noli revient à la charge et il appelle son frère. Mais regarde! Elles sont trop belles, les balles qui sont dans la boîte. C'est vrai qu'elles sont magnifiques, répond Ilan. Mais Noli a oublié la consigne. Et que fait Noli? Noli sort donc une balle dans la boîte. Et après, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Pourquoi ne pas toucher aux autres? Et ils se mettent à toucher aux autres balles. Et en déplaçant toutes les balles, ils découvrent un petit creux rembourré par un tissu en velours dans lequel se trouve une balle différente. Celle-ci est en verre et un crochet d'une paix.
pour l'examiner de plus près. Et la balle glisse dans les mains de Noli et plaf. Qu'est-ce qui se passe? Elle se casse. Elle se casse. Quel désastre! Noli et Ilan, est-ce qu'ils ont une excuse? Aucune excuse. Pourquoi? Maman avait dit de ne pas. Après là, maman s'était fâchée. Maman avait dit de ne pas. Toucher. D'accord. Et ils avaient désobéi. Et ils se disent maintenant, pourquoi ne pas avoir obéi à maman? Je ne sais pas la suite de l'histoire. Je vous laisse deviner. D'accord. Bien. Maman avait dit de ne pas toucher. Et ils ont cassé la balle. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé après. Hein? L'histoire ne nous dit pas. D'accord. Est-ce que vous avez une idée de ce qui s'est passé après? Bah, après, ils ont pensé que c'était mal. Oui, 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 d'accord. Mais qu'est-ce qui s'est passé après avoir cassé la balle? Qu'est-ce que maman, comment ça s'est passé avec maman? Eh bien, leur maman, elle s'est peut-être fâchée. Oui, elle s'est peut-être fâchée. Elle s'est privée pendant peut-être. 3 semaines. Peut-être. Privée de dessert pendant 1 mois. Oh! Peut-être. Ah, et toi, qui dit mieux? Ben, taper. Eh bien, oui. ben, oui, hein. Oui, j'imagine. J'imagine. Non, excusez-moi. D'accord? D'accord. D'accord. Nos enfants ont. J'aurais pas dit ça fort pour qu'on puisse comprendre. Vous êtes d'accord? Eh bien voilà. Voilà. Bon. Eh bien, vous savez. Il y a quelques siècles, eh bien, une histoire pareille s'est passée. Il y avait un homme, un ange, qui s'appelait Lucifer et qui s'est révolté. Et après que Dieu ait créé Adam et Ève, qu'est-ce que Satan a fait, puisqu'il a été chassé du ciel? Il est allé tenter Ève en premier et après, il a... Et il a demandé à Ève, qu'est-ce que Dieu avait dit à Ève? De ne pas manger. De ne pas toucher au fruit. De peur de mourir. De l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Oui. Elle a pris. Satan, il lui a dit que ça lui a rien fait, mais elle a vu la vérité. D'accord. Satan lui a dit, mais je ne comprends pas pourquoi Dieu t'a dit de ne pas toucher ça. Hein? Eh bien, tu peux. Elle ne s'est même pas rendue compte que le serpent était en train de lui parler. Est-ce qu'elle avait l'habitude d'entendre la voix du serpent? Non. Et oh. Est-ce que Ève avait l'habitude d'entendre d'autres voix, mis à part la voix de Dieu, la voix de son mari? Elle n'était même pas étonnée d'entendre le serpent lui dire, mais non, tu peux prendre ça et tu peux manger ça. Vous connaissez l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé après? Après, Adam, il est venu, il lui a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as mangé le fruit de cet arbre? Elle a dit, mais regarde, ça ne m'a rien fait. Et Adam, il a regardé et il a mangé lui aussi. Et Satan, il était content. Hein? Il a dit à Dieu, tu vois ça? Tu vois, personne ne veut t'obéir. La preuve, d'accord? La preuve, personne ne veut t'obéir. Et vous, chers enfants, on va terminer l'histoire. Et vous, est-ce que vous voulez obéir? Est-ce que vous prenez la décision d'obéir? Laissez-moi voir la main de tous les enfants qui veulent obéir. Petit prince et princesse, est-ce que vous voulez obéir? Mais c'est à tout le monde, hein? À l'école, à papa, à maman, au tati, à tout le monde. Vous voulez obéir? C'est pas grave. S'il n'a pas levé sa main, peut-être qu'il ne veut pas obéir. Pasma, tu ne veux pas obéir? Eh bien, je vais vous donner un petit signet en guise d'engagement. Moi, prince de Dieu,
Je choisis d'obéir. Mais il faut vraiment obéir, hein? D'accord? Si tu sais que tu ne vas pas obéir, il ne faut pas le prendre, hein? Moi, prince de Dieu, je choisis d'obéir. Tiens, ça, c'est pour toi. Moi, prince de Dieu, restez là, on n'a pas encore prié. Moi, prince de Dieu, je choisis d'obéir. Moi, prince de Dieu, je choisis d'obéir. Raphaël, s'il te plaît, tu n'obéis pas. Tu n'auras pas de signé puisque tu n'obéis pas. Tiens, est-ce que tu veux un signé? Tu veux un? Eh bien, d'accord, tu vas obéir. Tiens, tiens, je te donne un grand plus. Moi, prince de Dieu, je choisis d'obéir. Moi, prince de Dieu, un grand, je choisis d'obéir. Moi, prince de Dieu, qui c'est qui a un petit prince encore? Tu veux, pardon. Moi, princesse de Dieu. Ah, princesse de Dieu, tu veux obéir? Eh bien, reste là, reste là. Princesse de Dieu, tu veux obéir? Princesse de Dieu, mais il ne faut pas... Attends que je te donne. Tu as des princesses encore? Je constate que tu es une princesse de Dieu. Attends, tu es une princesse de Dieu. J'ai l'impression que je n'ai pas assez de princesses. D'accord? Eh bien, les princes, je vais vous donner ça après. D'accord? Puisque... Ah oui, j'ai les princes, pardon. Prince de Dieu, qui sont encore? Ou le petit prince qui n'a pas eu? Le petit prince, Meli. Bon, on va prier. Oui. Oui, d'accord. Je vais donner tout à l'heure. Prince de Dieu, c'est Naël. Prince de Dieu, eh bien tout le monde. Oh, on va te donner. Ok, et bien on va prier. On va prier. On va prier. On va prier, on va fermer les yeux, on va se mettre debout, on va fermer les yeux. Les princes qui ne veulent pas obéir, je vais récupérer. Les princes, il faut descendre, petit prince. Petit prince Ilan, tu te mets debout. Prince Raphaël, on va prier. On va prier, on va prier. Je vais vous demander de répéter. Prince Ilan, on se tient bien. On va répéter la prière. Princesse, mets-toi debout. Toi aussi, petite princesse. On ferme les yeux. Petit prince et princesse. Et on répète. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. De nous aider. De nous aider. À toujours réfléchir. À toujours réfléchir. Pour faire le bon choix. Pour faire le bon choix. Aide-nous à être obéissants. Aide-nous à être obéissants. À nos parents. À nos parents. Et à tes commandements. Et à tes commandements. Afin d'être heureux. Afin d'être heureux. Amen. Amen. À sabbat prochain, si Dieu veut. Ce matin, nous voulons rester dans la présence de Dieu. Je vous invite à louer avec nous. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Auprès de Dieu que je veux me tenir.
auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, pour me sentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta voix qui vient me dire tout bas. Oui, je suis là. Sans boussole, sans un phare sur qui nous appuyer, nous serions perdus. Sans ta présence,
notre chantème. Ô, donnez-moi Jésus. Ben, je vous invite à vous rasseoir, désolé, et nous allons écouter un chant spécial. Professeur, bonjour. Absolutely.
Nous vous invitons maintenant à vous lever afin d'entonner notre chantem. Comment allez-vous en ce matin? Il fait chaud, hein? Ah, je vous vois souffrir, je vous dis, ça me fait de la peine. Mais espérons que Dieu puisse faire souffler sur nous un petit vent frais, d'accord? Et qu'on puisse surtout, par ce qui sera présenté par la parole de Dieu, être fortifié et oublier la chaleur. Alors, ce matin, nous allons parler de notre adversaire, voir ce que la Bible dit sur cette personne, sur cet individu, qui a fait tant de tort à l'humanité et qui a même fait du tort dans le ciel et même à Jésus lui-même. Alors, avant d'entamer cette étude, cet échange, ce sermon autour du diable, mais surtout de sa défaite, j'aimerais rappeler que Dieu nous a donné sa parole, d'accord, comme moyen d'être instruit, d'être corrigé et d'être mené jusqu'à lui. La Bible révèle le sauveur de l'humanité, Jésus-Christ. Alors, si nous tardons à l'ouvrir, si nous hésitons à faire un peu la lecture ou l'étude, je vous encourage encore une fois à être courageux et à ouvrir le Saint-Livre, car Dieu sera avec vous pour pouvoir vous faire découvrir la vérité. Alors, récemment, aux États-Unis, je dis récemment, c'est il y a quelques années quand même, hein, ça va faire 5 ans, donc il y a 5 ans, aux États-Unis, il y a eu une démonstration publique de téléguidage. En gros, un avion, d'accord, immense, de ligne ou je crois réaction, a été piloté ou téléguidé. Il n'y avait personne aux commandes physiquement. Celui qui commandait l'avion était loin, loin, loin de l'avion. Et beaucoup de personnes ont été invitées à assister à ce spectacle extraordinaire. Donc, il y avait une foule de personnes et tout le monde voit l'avion qui commence à prendre le départ pour décoller. Face au vent ou dans le vent, l'avion commence à monter et tout le monde regarde cela. Wow, extraordinaire! Puis l'avion fait des pirouettes. Celui qui a la télécommande, d'accord, commence à faire des loopings. Et tout le monde regarde ça fasciné. Jusqu'au point où, justement, l'avion, après avoir fait toute cette démonstration, vient à atterrir. Et atterrissage parfait. Bien sûr, tout le monde savait qu'il y avait quelqu'un qui était derrière cela.
L'avion de lui-même ne pouvait pas faire cela. L'avion n'a pas d'intelligence pour pouvoir faire ça tout seul. Forcément, il y avait quelqu'un derrière cette machine, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, mais quelqu'un était à l'origine de tout ce que nous voyons. Chers amis, personne n'a cru que l'avion était guidé tout seul, avait une intelligence particulière. Et quand on considère maintenant les maux qui frappent notre monde aujourd'hui, l'humanité, donc la mort, on en a parlé, la terreur, les actes de violence, relatés par la télévision, ne serait-ce que qu'hier, on a entendu qu'il y a eu un problème à... c'est pas tout près de chez nous. Hein. En Australie, je crois, à Sydney, il y a eu un massacre. Voilà, on ne sait pas si c'est terroriste ou pas, mais un bébé même, malheureusement, a été décédé. Et 6 personnes encore ont été attaquées au couteau. On se dit, mais forcément, ces personnes-là sont habitées. Ce n'est pas normal que l'homme de lui-même se réveille le matin et se dise, bon, bah, tuer le monde. Quand on est, on n'est pas meurtrier. Quand on est, d'accord, on appelle cela l'innocence. Mais on devient. C'est vrai ou pas vrai? On le devient. Au cours de notre croissance, dans notre vie, il y a des choses qui se passent, qui se produisent, qui nous traumatisent, d'accord, qui nous choquent, qui nous éduquent dans le mal ou qui nous font aimer ce qui est mauvais ou ce qui est bien. Et ensuite de cela, on est préparé à prendre une décision. On nous dit que éducation et rédemption, éducation et rétablissement, éducation et salut, c'est la même chose. Éducation et perdition, éducation et méchanceté, c'est la même chose aussi. Car je peux prendre un enfant qui n'a rien demandé et lui inculquer des choses mauvaises dans son esprit et il devient criminel plus tard. Il devient un meurtrier plus tard. Je peux prendre un enfant, lui donner les meilleures bases qui soient, d'accord, pour qu'il puisse prendre les bonnes décisions et avoir de la compassion en grandissant. En gros, je comprends quelque chose. L'humanité qui a pris une tournante, d'accord, une tournure dramatique, violente, il faut qu'il y ait quelqu'un derrière cela. Personne ne naît méchant. Alors, on nous dit justement que le monde, sa perversité, toutes ces choses, il y a quelqu'un qui est à l'œuvre de cela. Par exemple, on va parler de la guerre, d'accord? Celle-ci encore est en guerre, non seulement avec Dieu, mais encore avec tout ce qui est juste et bon. Alors que les nations parlent de paix, elles préparent la guerre. Alors que l'homme établit des plans pour un monde meilleur, sans crime, à l'abri des hold-up, d'accord, des violences, des braquages. Alors qu'il cherche les moyens de faire reculer la mort, de nouveaux problèmes alors surgissent sans cesse. Sans arrêt, de nouveaux problèmes. On essaie de régler un problème, un autre apparaît, un nouveau. Plus de chefs d'État reconnaissent aujourd'hui qu'actuellement, il y a des forces invisibles qui agissent pour le mal. Lorsqu'on regarde notre président, la première fois qu'il a dit que nous sommes en guerre, ce n'était pas en guerre contre des forces physiques. Hein. Il a précisé que nous étions en guerre contre quelque chose qui le dépassait. Aux États-Unis, d'accord, une nation croyante n'ont pas peur de dire que oui, il y a le diable derrière nous, mais nous allons triompher avec Jésus-Christ. Après, quel Jésus-Christ? J'espère que c'est le même que la parole de Dieu. Mais en tout cas, les chefs d'État même reconnaissent qu'il y a une puissance qui agit dans l'invisible. Ne soyons pas incrédules. Ne soyons pas de ceux qui disent « mais non ». Mais non, il n'y a pas de puissance qui agit. C'est nous qui sommes comme ça. La race humaine est mauvaise par nature. De nos jours, dans beaucoup de lieux, le diable est considéré comme étant un personnage mythique, imaginaire. Nombre de nos contemporains, d'accord, croient que son pouvoir se manifeste uniquement dans les pensées, mauvaises pensées, ou qu'il n'est que l'écho d'une superstition médiévale. Cependant, la Bible nous parle d'une façon très réaliste de cette puissance si forte qui agit dans le monde. Jésus et les prophètes croyaient, eux, en l'existence d'un être malfaisant. Dans la Bible, ce dernier est appelé tour à tour le diable, Satan, le prince de ce monde, l'imposteur, le serpent ancien. La Bible, qui est la vérité, nous révèle qu'il y a dans l'invisible un être qui s'acharne pour détruire la race humaine. La Bible affirme qu'il y a un être qui ne veut pas notre bien, qui aime se faire oublier, qui aime lorsqu'on pense qu'il n'existe pas,
pour nous faire mieux tomber, pour nous faire mieux périr, pour nous faire haïr Dieu et être perdu avec lui. Alors, plusieurs questions sont posées. On se pose à soi-même, quelle est l'origine de Satan? C'est qui Satan? D'où il vient? C'est quoi ce délire? Je ne comprends pas, mais ça vient d'où tout cela? Pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas alors détruit comme Dieu Tout-Puissant? De telles questions et bien d'autres encore viennent naturellement à l'esprit dès qu'on évoque ce sujet. Ouvrons alors maintenant une fois de plus la parole de Dieu afin de prendre connaissance de ce qui est révélé là-dessus. Alors, toujours le même exercice, ensemble, levons la main pour avec notre outil de travail. Sommes-nous équipés ce matin? Aïe, aïe, pas assez. Hein? Alors, soit on est fatigué et on n'a pas la force de lever la main. En tout cas, j'espère qu'on est quand même équipé, d'accord? Parce qu'on va chercher dans la parole de Dieu ensemble. Et il vous faut impérativement l'ouvrir pour voir si ce que je dis est écrit dans la parole de Dieu. Pour ceux qui n'ont pas de Bible, je rappelle qu'il y a des diaconesses, même aussi des gens d'accueil, qui pourront vous offrir, vous passer la Bible pour suivre en même temps que nous. Alors, qui est à l'origine du péché? Lisons ensemble 1 Jean 3, verset 8. 1 Jean 3, verset 8, à la page 1244, pour ceux qui ont la Bible que j'ai. 1 Jean 3, verset 8, à la page 1244. Qui est à l'origine du péché? 1 Jean 3, verset 8. Il est dit, « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. » Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Donc, il est dit quoi? Celui qui pêche est du diable. Pourquoi? Car le diable, lui, pêche dès le commencement. Le mot péché, dans son étymologie, veut dire manquer le but. Manquer le but. Manquer son but. En réalité, Dieu nous a créés pour sa gloire, pour lui ressembler. Il nous a créés pour refléter son caractère d'amour. Alors, Satan, le diable, pour faire tomber l'homme, il fallait que l'homme soit détourné de ce projet initial de ressembler à Dieu. Et l'homme est tombé dans le péché par la désobéissance. On en a parlé avec Véronique, avec l'histoire des enfants. Par la désobéissance au commandement de Dieu, l'homme est tombé dans ce qu'on appelle le péché. On nous dit que le diable, lui, il pêche dès le commencement. C'est lui qui est à l'origine même du péché, de la désobéissance par excellence. Et on nous dit quoi? Celui qui pêche, il est du diable. Qui n'a pas péché ici? Qui est l'exception? Qui vient du ciel? Non, c'est la réalité. Hein? Malheureusement, nous sommes nés dans le péché. Nous naissons, nous grandissons, et nous pratiquons le mal, la désobéissance. Nous sommes égoïstes par nature, nous pensons qu'à nous. On voit bien les enfants quand ils sont petits, on leur dit partage. Non, c'est à moi. Ils ne veulent pas partager. Et quand on prend leurs affaires, ils veulent violenter le péché en puissance. Pourtant, on dit, mais non, mais ils sont innocents. Mais ils sont soumis à leur pulsion, malheureusement. Et leur pulsion n'est pas le bien, c'est le mal. Donc, il est dit que tous ceux qui pêchent sont du diable. Le monde entier est du diable. Bizarre ça. On nous dit que Dieu nous a créés. Nous sommes la créature de Dieu, Dieu notre Père. Et il nous a créés à son image. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'on a pour père limite le diable. Bon, il y a une confusion dans tout cela. Allons de l'avant. Avant d'aller plus loin dans cette question, abordons notre question. Où est-ce que cet être diabolique vivait-il avant de venir sur la terre? Lisons ensemble Luc 10, verset 18. Luc 10, verset 18, à la page 1035, pour ceux qui ont la petite Bible que j'ai. À la page 1035. Luc 10, verset 18. Voilà ce qui est écrit. Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Jésus révèle qu'il a vu le diable, notre adversaire, tomber du ciel comme un éclair. Il fait une chute vertigineuse. Il ne monte pas. Il a fait une chute. Allons plus loin encore.
Que fit Dieu alors lors de la rébellion de Satan dans le ciel? Parce que s'il est tombé, c'est qu'il y a un problème. Pourquoi est-il tombé? A-t-il trébuché ou a-t-il été chassé? Lisons ensemble Apocalypse 12, versets 7 à 9, à la page 1259. 1259, Apocalypse 12, versets 7 à 9. Voilà ce qui est écrit. Voilà pourquoi il est tombé du ciel en allant sur la terre, comme un éclair sur la terre. Il est dit, il eut guerre dans le ciel. Donc il y a eu un conflit, il y a eu un problème, il y a eu une guerre, il y a eu un désaccord. Et Michel ou Michael, qui signifie celui qui est semblable à Dieu, donc c'est Jésus, et ses anges combattirent contre le dragon, qui est Satan, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne purent pas trouver les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Alors, qu'est-ce qu'il fut? Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc, Satan n'a pas trébuché. Satan n'a pas eu un moment d'égarement et est tombé, il n'arrive pas à retourner chez lui. Aujourd'hui, dans le cinéma, il y a Lucifer en série. D'accord? On imagine, et on image du moins par des dessins, Satan, le diable, comme étant quelqu'un de gentil, de coquin, de mignon. Quelqu'un qui fait du bien quand il veut et qui fait du mal par accident. Là, il nous a dit quoi? Que Satan a déclaré la guerre dans le ciel. Il s'est battu. Il voulait terrasser ce qui était là-haut. Mais comme ce qui était là-haut était plus fort que lui, il a été jeté, envoyé en bas. Il a perdu le combat dans le ciel. Alors, il est venu mener un combat aussi sur la terre. Et malheureusement, il n'est pas descendu tout seul. Il a perdu avec des anges qui étaient avec lui. Donc, ils sont plusieurs. Avançons. Quels étaient alors les traits caractéristiques de Satan avant sa révolte? Car avant de tomber, il était au ciel. Donc il avait une vie là-bas. Il menait une vie, certainement, avant de se rebeller. Comment était-il avant sa rébellion? Lisons ensemble Ézéchiel 28, verset 12, à la page 850. Donc on pose les bases ensemble hein, ce matin pour comprendre un peu qui est cet individu. Et est-il notre ami? Nous veut-il du moins du bien? Donc, Ézéchiel 28, verset 12. Voilà ce qui est dit. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse et parfait en beauté. Alors là, on nous parle du prince de Tyr. C'est une image, d'accord, une figure historique que Dieu utilise pour pouvoir parler de Satan, de Lucifer. Alors, c'est une prophétie, un prophète parle, et pour ceux qui lisent la parole de Dieu, ils comprennent par la suite qu'il est parlé de Lucifer, le prince de ce monde, l'ange déchu. D'accord. Donc, on nous dit que il était beau, selon ce que je comprends, on refait la lecture, verset 14, tu étais un chérubin protecteur, donc un ange. Alors, c'est bien là, non, j'étais trop loin, excusez-moi. Non, verset 12. Oui, j'étais au verset 14. Verset 12. Il a dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Quelqu'un de fiable, quelqu'un de beau, quelqu'un d'intelligent. Quelle autre position occupait-il alors dans le ciel? Juste au verset 14, de toujours le même chapitre, il est dit, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. On peut continuer, on peut faire la lecture de la suite. Verset 15. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. En gros, cet ange était excellent, était beau, intelligent. Ce qu'il faisait, il le faisait très, 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 très bien même. Il était la fierté de Dieu. Jusqu'au jour où on nous dit
que de son cœur apparut l'iniquité. L'iniquité, c'est le mal. C'est la source du mal. Et pour l'imager, mieux comprendre ce qu'est l'iniquité, c'est la déviance. Quand on prend un bâton de berger, pour ceux qui, voilà, les bâtons de berger, ils ont une sorte de courbe à la tête. C'est pour pouvoir ramener les brebis, d'accord, lorsqu'elles vont un peu trop loin, non, c'est par là. Et avec la petite courbe, ils ramènent le troupeau. Le bâton, il est très, 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 très droit. Puis, à son extrémité, il y a une courbe. Cette courbe, on l'appelle iniquité. En gros, c'est une belle image. Il était droit jusqu'à ce que la déviance apparut. Pourquoi a-t-il dévié? Alors, quelle position plus élevée Lucifer convoitait-il? Allons dans Ésaïe 14, versets 12 à 14, à la page 693. À la page 693. Ésaïe 14, versets 12 à 14. Il est dit, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai comment ? Semblable au Très-Haut. » Son projet, il est très bien, mais il est tellement beau, tellement sage, qu'il a voulu plus. Il s'est dit, mais il n'y a pas d'ange égal à moi. Je suis parfait dans mon service. Dieu m'a créé intelligent. Je veux être Dieu. La créature qui veut être son créateur. La créature qui veut détruire son créateur. Ça vous rappelle pas un film, là? Les films populaires maintenant, c'est ça, hein? Frankenstein, moi, pas que, mais les films d'aujourd'hui, lorsqu'on met en place la technologie, d'accord, on parle de quoi? Le Terminator, par exemple, on parle de quoi encore? Il y a plein de films, en fait, qui évoquent cette histoire, qu'on crée quelque chose, on crée une créature, ou on crée quelque chose, et cette chose, après, commence à dire, bon, hé, et si je devenais le créateur? Et si je détruisais celui qui m'a créé? C'est le projet de Satan, c'était son projet. Il a voulu être Dieu lui-même et monter au-dessus même des étoiles de Dieu. Il voulait dominer, il voulait régner. Parce qu'il voit que l'adoration, que toutes les créatures que Dieu a créées adorent Dieu. Et lui, il fait tant de choses qui sont belles et bonnes, mais ce qu'il fait, pour ce qu'il fait, on rend gloire à Dieu. Pour ce qu'il fait, on dit, ah, gloire à Dieu. Il dit, mais c'est moi qui l'ai fait. Donnez ma gloire à moi. Il voulait être en avant. Il voulait prendre la gloire qui était due à Dieu pour se l'attribuer à lui-même. Oubliant que l'intelligence qu'il avait, la beauté qu'il avait, venait directement de son Créateur. Donc voilà pourquoi on loue Dieu, quand c'est lui qui t'a tout donné. Avançons. Expulsé du ciel par la défaite, Satan chercha à ses dieux qui ? Lisons ensemble Genèse 3, versets 1 à 6. La Genèse. Genèse 3, versets 1 à 6, à la page 11. Voilà ce qui est écrit. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme alors vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et ils
en mangea à son tour. Le diable, Lucifer, cet ange qui excellait dans son service avant que le péché rentre dans son cœur, il vient, il perd le combat, il arrive à emmener avec lui une partie des anges du ciel parce qu'il a pu les séduire aussi. Et là, qu'est-ce qui se passe? Alors qu'il a perdu, il dit, bon, on va chercher du renfort. On va aller chercher d'autres personnes pour se rallier à notre cause, pour que je puisse être leur Dieu. Car les anges qui l'ont obéi sont soumis à lui. Et il veut être Dieu. Voilà son objectif. Il veut dominer, il veut régner. Il veut qu'on l'adore. Alors, il vient vers la nouvelle création de Dieu, Adam et Ève, l'homme, l'humanité. Et là, il dit tout de suite à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit? En gros, il commence à mettre le doute dans l'esprit des hommes. Mais Dieu a dit ça, mais en fait, Dieu te ment. Tu ne mourras pas. Il sait bien que le jour où tu vas goûter ça, tu vas être comme lui. Il fait naître dans le cœur de l'homme ses propres aspirations, être comme Dieu. Il dit, le jour où tu vas manger cela, tu vas devenir comme Dieu, tu vas être Dieu toi-même. Viens, rejoins ma cause. Et là, l'homme et la femme ont succombé à la tentation. Ils ont écouté le serpent, écouté le diable, et ils sont tombés dans la rébellion avec lui. Qu'est-ce que Satan revendique maintenant comme sa propriété? Après avoir fait tomber l'homme dans le péché, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Lisons ensemble Luc 4, versets 5 et 6 à la page 1022. À la page 1022. Luc 4, versets 5 et 6. Il est dit, le diable ayant élevé, alors je rappelle le contexte, Jésus, après son baptême, a été emmené dans le désert pour être tenté pendant 40 jours. Après 40 jours de jeûne, Satan vient, Satan lui dit, il lui donne trois tentations. Premièrement, tentation sur la nourriture, tu as faim, change la pierre là, en pain et tu es fils de Dieu. Vas-y, prouve. Deuxième tentation, il monte sur le temple, il lui dit, saute, t'inquiète pas, il est écrit que Dieu te portera. D'accord, les gens te porteront sur leurs mains, tes pieds ne vont pas toucher le sol, tu seras épargné. Tant que Dieu. Puis, Jésus résiste à cela, Jésus dit, il est écrit. Et là, il vient, il dit, bon, ok, je te parle franchement. Je n'ai plus à me cacher, tu sais qui je suis. Et là, il lui dit ceci. On lit versets 4 et 5. Le diable ayant élevé, lui montrera en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, Dieu a dit à l'homme et la femme de dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux, sur la création. Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit une image de son gouvernement, pour que l'homme montre à l'univers comment Dieu prend soin de la création. Montre comment moi, Dieu, j'aime. Prends soin des animaux, prends soin du jardin, cultive-le, aime-le. Tu es placé dans le jardin comme étant une image de Dieu. Satan vient, rappelez-vous son projet, il veut faire quoi, rappelez-moi? Il veut prendre la place de Dieu. Alors, il s'est dit, bon, comme l'homme est un petit Dieu, je vais prendre sa place. Et là, il trompe nos premiers parents. Et quand il trompe nos premiers parents, quand nos premiers parents lui obéissent à lui, en réalité, ils se soumettent à Satan. Maintenant, Satan est devenu le prince de ce monde. Et il met ce monde à son image. Violence, meurtre, cannibalisme, destruction, égoïsme, suicide, plein de choses mauvaises. Et il invite l'homme maintenant à être à son image. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes liés. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes prisonniers du péché qui ronge notre être tout entier. Voilà pourquoi nous sommes esclaves du mensonge. Esclaves de toutes espèces de choses mauvaises. Nous n'arrivons pas à nous en sortir parce que le diable est devenu notre père, est devenu notre Dieu. Nous avons été arrachés à notre vrai père, le Dieu d'amour. Nous avons été enlevés par le mensonge et par la ruse. Et voilà ce qu'il dit à Jésus. C'est moi qui ai tout ça. C'est moi qui ai tout ce monde.
si tu veux te prosterner, si tu veux m'adorer, alors je te ferai une place avec moi. Il le dit aujourd'hui à la race humaine. Il dit cela aux hommes aujourd'hui. Si tu veux réussir dans ce monde, si tu veux exceller, si tu veux avoir de l'argent, si tu veux la gloire, alors donne-moi ton cœur. Donne-moi ta vie. Sois ennemi de Dieu volontairement. Sois avec moi contre le ciel. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit dans le monde? Toutes les stars de la musique, toutes les stars de ce monde, tous les certains présidents, d'autres personnes qui sont riches, ils sont foncièrement diaboliques. Et ils l'attestent dans des vidéos qu'on peut voir sur YouTube. Hein. Tous, un jour dans leur vie, ils doivent le dire publiquement qu'ils sont pour Satan. Tous, un jour dans leur vie, doivent se lever publiquement pour dire qu'ils sont avec Satan. Et ils le font. Nous, on ne voit pas cela. On dit, mais non, c'est une blague, c'est une image, c'est artistique. On voit bien que Satan est derrière eux, on voit tout ce qui se passe, on voit que c'est un rituel. Mais on dit, mais non, mais c'est pour le buzz, c'est pour pouvoir expliquer, c'est une image du mal. On veut théoriser pour vous dire, non, ce n'est pas cela. Satan est le prince de ce monde. Car ce monde, il a arraché dans les mains d'Adam et Ève par ruse. Et il nous a arrachés aussi. Nous sommes ses esclaves. On ne fait pas ce qu'on veut. On fait ce qu'il veut, lui. Il détruit des avenirs. Il détruit des vies. Il fait l'homme souffrir et il aime ça. Parce qu'il sait que l'homme est la prunelle des yeux de Dieu. Il sait que Dieu aime l'homme. Alors pour faire souffrir Dieu, il nous fait souffrir à notre tour. Lisons ensemble Job 1, verset 6 et 8 à la page 524 dans notre Bible. Job 1, verset 6 et 8. À la page 524. Chers amis, le diable est une réalité. Mais on va voir que même s'il est réel, en réalité, il a déjà perdu le combat. Mais il faut le savoir. Il faut le réclamer. Voilà ce qui est écrit. Donc, toujours la question, hein, qu'est-ce que Satan revendique désormais comme sa propriété? Il est dit, or, les fils de Dieu, donc les anges, vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vient aussi au milieu d'eux. Satan vient là. Et voilà ce qui est Dieu, verset 9, verset 8 du moins, excusez-moi. On peut aller au verset 6, 7 aussi, excusez-moi. On va faire le 6 à 8. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Il est chez lui, il fait ce qu'il veut. Il parcourt la terre, il s'y promène. Il y a Kazaï. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme qui est intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Dieu lui dit à Satan, « Regarde, tu règnes sur tout le monde, tous les hommes sont soumis à toi, mais il y a un homme qui me craint toujours. Il y a un homme qui espère en moi. Il y a un homme qui croit en moi. Lui, tu n'arrives pas à le dominer. » Satan revendique la terre comme sa propriété et les hommes aussi. Et Dieu doit lui montrer que parmi toute sa domination, il y a un homme parmi eux qui lui est fidèle. Qui est à l'origine de la souffrance et des désordres qui accablent l'humanité aujourd'hui? Job 2, verset 7, donc juste à côté, page 125, il est dit, « Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis qu'est-ce qu'il fit? Il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied, jusqu'au sommet de la tête. » Lisons Luc 13, verset 16. Luc 13, verset 16, à la page 1041. Dieu nous a mis en lumière toute la vérité pour qu'on ne puisse pas se laisser séduire ni perdu par ce malin. Luc 13, verset 16. Il est dit, donc là c'est une parabole, alors, avant la parabole, c'est Jésus qui guérit du moins une femme le jour du sabbat. Et il est dit, « Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas alors la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ?» La crise révèle quelque chose, c'est que les maladies de ce monde, la souffrance de ce monde, Satan est derrière ça. Quand un homme sur la terre souffre, Satan en est l'investigateur. Quand un homme sur la terre est en souffrance, Satan est celui qui en est l'auteur. Ce que Dieu, lui, veut établir, c'est la guérison, c'est la délivrance, c'est le salut, c'est la vie en abondance. Satan, lui, tout ce qui est contraire à cela, il est pour
et il est derrière tout ça. Maintenant, Satan, ok, il fait du mal, Satan a trompé la race humaine, Satan nous domine, il domine le monde, mais Christ, et on l'a prêché, je l'ai présenté, Jésus-Christ, chers amis, il a acquis le droit de détruire Satan et ses suppôts. Dans Luc 19, verset 10, qu'on a lu il y a de cela quelques soirs, Jésus, le Fils de Dieu, est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ce qui a été arraché dans les mains de Dieu, la race humaine. Jésus est venu et il a dit non, l'homme a été trompé. Médine n'a rien demandé, je suis né dans un monde, je n'ai rien demandé. Tu n'as rien demandé, mais tu es là et tu constates que tu es loin de Dieu. Alors Dieu, dans son grand amour, a envoyé Jésus-Christ, son fils, son héros, son guerrier, pour venir arracher l'humanité entre les griffes du diable. Et il dit que comme cela, que tous ceux qui vont croire en Jésus, tous ceux qui vont espérer en son sauvetage, ceux-là seront sauvés, ceux-là seront délivrés, ceux-là vont dominer sur Satan, ceux-là pourront crier vers le ciel et Dieu va leur répondre. Ceux-là n'ont plus à avoir peur, ceux-là seront réconciliés avec Dieu. Ceux-là qui étaient éloignés seront maintenant rapprochés. Aujourd'hui, Christ a gagné le droit de détruire Satan et ses suppôts. Lisons ensemble Hébreux 2, verset 14, à la page 1218. À la page 1218. Hébreux 2, verset 14. Voilà ce qui est dit. On va aller voir ce verset 15. Il est dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, nous sommes des enfants d'Adam et d'Ève. Ils sont tombés dans le péché. Nous aussi, nous y sommes malheureusement tombés et liés. Nous avons reçu ce qu'ils avaient, le péché, nous avons reçu le péché. D'accord? Donc, nous sommes liés dans le sang et dans la chair. Il est dit, eh bien, lui aussi, il y a également participé lui-même. Jésus est venu en tant qu'homme sur la terre, afin que par maintenant la mort, par sa mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et qu'il délivra, verset 15, tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Tous ceux qui veulent être délivrés, ceux qui veulent retourner auprès de Dieu, Jésus est venu comme toi dans le corps du péché. Il a demandé à son Père, « Père, fais-moi un corps. Je dois venir me donner ma vie pour l'humanité. » Parce que le salaire du péché, c'est la mort, chers amis. Celui qui naît dans ce monde va impérativement être anéanti à la fin à cause du péché qui est dans sa chair, dans son sang. Mais Christ est venu pour pouvoir nous en délivrer. Tout ceci technique, on va voir à l'écran. Donc comment cet être maléfique qu'est Satan sera-t-il finalement détruit par Dieu? Lisons Ézéchiel 28, versets 16 à 19, à la page 850. À la page 850, Ézéchiel 28, verset 16 à 19. Comment sera-t-il détruit? Il est dit, par la grandeur de ton commerce, donc de ton activité, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite alors de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant. Tu ne seras plus à jamais. Dieu nous le dit, Satan, cet ennemi, cet adversaire, il a été déjà prophétisé qu'il sera détruit. Il a perdu le combat. Et il sait très bien qu'il a perdu le combat. Lui aussi, il a lu ce texte. Lui aussi, il dit, ouais, il a en prix. Et il sait qu'il a perdu. Mais maintenant, il ne veut pas être perdu tout seul. Il sait que Dieu
Merci beaucoup. Il sait que Dieu a tout mis en place pour te sauver toi, pour me sauver moi. Et il sait que rien ne peut me retenir dans le péché maintenant que Jésus-Christ est venu dans le monde. Il sait que quand je dis « je crois en Jésus, Seigneur mon Dieu, sauve-moi », il sait que Dieu va me sauver. Alors il dit « bon, j'ai pris, mais il y a qui prie avec moi. Je ne vais pas mourir seul. Mon destin est clos, je suis perdu, je suis anéanti, je sais. Mais le maximum de ce que Dieu aime va venir avec moi. Pourquoi le diable agit-il maintenant avec tant de persévérité ou perversité du moins? Lisons ensemble Apocalypse 12, versets 10 à 12, 10 et 12, à la page 1259. Page 1259. Apocalypse 12, verset 10, on va dire 10 à 12 plutôt. Voilà ce qui est écrit. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé, donc le secours est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Il sait qu'il a perdu. Il sait que c'est fini pour lui. Il a peu de temps. Rappelez-vous pourquoi? Jésus revient. Jésus revient. Et quand Jésus-Christ va revenir, c'est pour venir sauver ceux qui espèrent en lui. C'est pour délivrer ceux qui sont sous le joug de Satan. Alors Satan sait qu'il n'a plus de chance. Il donne tous ses efforts, il met toute son énergie pour que la race humaine puisse être perdue. Et plus les jours de Christ se rapprochent, plus Satan s'agite. Plus Satan fait des folies. Plus Satan fait du mal à la terre. Plus Satan place des hommes et des femmes à la tête de ce monde et pervertit leur cœur au plus profond. Il collabore directement avec Satan pour faire le mal. Satan a des agents qui ont la connaissance de la vérité, qui sont conscients que Satan est le mal. Mais lui offre un culte et ils sont d'accord pour pouvoir détruire la race humaine. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Quand on regarde, on a été empoisonné aussi par le... comment on appelle ça encore? Non, même pas cela. Ça, c'est basique. Il y a pire. Dans les poils de téflon, je crois. Le téflon, on nous dit que la race humaine même, la race humaine entière a été contaminée par le téflon. Et que c'est hautement cancérigène, mais qu'on ne le savait pas. Celui qui inspirait les hommes à faire cela, c'est ça. Alors, allez-y, mangez, allez-y. Il continue toutes sortes d'animaux purs, même impurs. Il leur dit, mais venez là, bon, allez. Aujourd'hui, on constate et on voit que la viande n'est pas une bonne chose pour le corps de l'homme. On prend l'excuse, oui, mais il y a des protéines dedans. Il y a des protéines aussi dans les végétaux. Mais il a lié l'homme dans des habitudes qui le détruisent. Il donne à l'homme le sucre transformé qui est hautement cancérigène. On en parlait récemment, dans un instant. Ça acidifie le corps. Et le corps qui devient acide est un corps qui est ouvert à toutes sortes de maladies. Satan est derrière tout cela. La cigarette, l'alcool, Satan est derrière tout ça. Pour que l'homme puisse perdre ses moyens, pour que l'homme puisse mourir sans Dieu, pour que l'homme tombe malade, pour que l'homme meure. Voilà son projet. Et il sait qu'il a peu de temps. Et on va voir encore dans les années à venir, hein, d'autres révélations. Là, on a vu des médicaments aussi, apparemment, récemment. Des médicaments aussi, hein, ceux qui nous soignent. Ah, comme par hasard, on a découvert que c'est cancérigène. Satan est derrière cela.
Comment Satan cherche-t-il à se déguiser pour mieux nous tromper? Dans 2 Corinthiens 11, versets 13 et 15, vous pouvez faire la lecture donc à la page 1175, 2 Corinthiens 11, versets 13 et 15, je vais paraphraser le texte. Il nous a dit que Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il se déguise en ange de lumière. En gros, qu'est-ce qu'il fait? Il sait que s'il vient directement pouvoir te faire du mal, tu vas dire « Jésus, sauve-moi !» Et là, il penche son cou. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'apparence de quelqu'un de bien. Il te dit « Mais non, mais c'est pour ton bien. » Exemple simple, on en a parlé, le médicament. Il prend l'apparence d'ange de lumière, c'est pour te soigner. Tu as mal à la tête? Tiens. Je n'ai pas fait de publicité, je ne vais pas donner le nom. Hein. Mais tu as mal à la tête? Tiens. Tu as mal au ventre? Tiens. C'est pour ton bien. Vas-y, t'inquiète pas, tu peux... Mais c'est un médicament. Mais arrête de... C'est un médicament, c'est pour ton bien. Alors tu le prends, et 10 ans après, tu apprends que tu as un cancer de la prostate, un cancer de ceci, et que c'était dû à cela. Oups! Il se déguise en ange de lumière. Il fait passer le mal, il le cache dans des artifices qui paraissent bien. Mais ceux qui ont la parole de Dieu sont préservés de cela. Ceux qui étudient, ceux qui cherchent Dieu, ceux qui se confient en Dieu, Dieu leur accorde une intelligence, une sagesse pour voir le mal. Dieu leur dit, prenez ma parole, c'est une lampe à vos pieds, une lumière sur votre sentier. Celui qui néglige la lecture de la parole de Dieu est perdu. Celui qui n'étudie pas la parole de Dieu, il marche dans l'obscurité. Et il fait déjà nuit, hein, mais il y a bon quand même. Donc, il marche dans le noir et en plus de ça, il bande ses yeux et il marche. Mais tu vas tomber dans le trou. Tu vas trébucher. Tu vas te perdre. Jésus est venu pour que l'homme dans les ténèbres soit éclairé. Et il dit que ceux qui veulent la lumière doivent venir à Jésus. Ceux qui veulent être éclairés, ceux qui veulent être délivrés, ceux qui veulent connaître la vérité doivent venir à Jésus. Comment pouvons-nous alors remporter la victoire sur cet ennemi numéro 1? Apocalypse 12, verset 1, c'est notre dernier texte de ce matin. Apocalypse 12, verset 1er, à la page 1259. Ah, 12, verset 11, excusez-moi. À la page 1259. Il est dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils ont vaincu Satan à cause de quoi? Du sang de l'agneau. Dieu est venu en tant qu'homme, il a versé son sang pour que tu n'aies pas versé le tien. Dieu est venu en tant qu'homme, d'accord, alors que tu étais perdu et ton salaire, ce que tu méritais, c'était la mort éternelle. Dieu dit non, je prends sa place. Je l'ai dit hier, Christ à la croix est mort pour toi. Ne le laisse pas mourir pour rien. Il est cloué, ses bras sont tendus et il te regarde. Et il te dit, mais c'est pour toi que je suis mort. Ne regarde pas, oui mais mes parents, non c'est toi qui es question, c'est ta personne. Dieu est un Dieu individuel, collectif oui, mais individuel. Il t'aime toi. Il veut être ton Dieu à toi. Et il te rappelle une chose, tu es né loin de lui, mais il ne veut plus vivre sans toi. Il crie et même il te supplie de dire oui à Jésus. Car c'est le seul moyen qui a été envoyé par Dieu pour que tu sois sauvé. Il insiste, il dit oui, il y a un adversaire. Mais je l'ai anéanti en place pour Satan et ses anges, pas pour la race humaine. Mais si tu aimes Satan, tu vas le suivre dans le feu aussi. Qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Qu'est-ce qu'il t'offre de plus que moi? Quel mensonge as-tu cru jusqu'à aujourd'hui? Penses-tu que ce que tu vis aujourd'hui, c'est la liberté? Non, tu es esclave du mal. Non, tu es lié. Tu es un pantin dans les mains de Satan. Au point où tu aimes ton prochain, tu veux lui faire du bien, mais tu lui fais du mal. Pourquoi je n'arrive pas à faire du bien? Pourquoi je continue à faire du mal à mon prochain? Tu as des enfants, tu veux des enfants, tu fais naître que les enfants, tu es heureux. Après ça, tu leur fais du mal. Ils grandissent et ils te reprochent ce que tu as fait dans l'éducation que tu leur as donnée. Ils te reprochent ta négligence, ils te reprochent ta méchanceté parce que tu as pour père le diable. Il fait le mal.
Mais Christ te dit, je te délivre aujourd'hui. Dis-moi oui, je te délivrerai aujourd'hui. Car Christ est venu dans ce monde pour détruire les œuvres du diable dans ta vie aussi. La mort sera détruite. Le péché sera détruit. Toute carence sera détruite. Tout problème de ta vie sera détruit aussi par Jésus-Christ. Mais pour cela, tu dois te dire, Seigneur mon Dieu, je prends ton sang. Je recouvre moi de ton sang. Chers amis, la parole est simple. Vous le connaissez déjà. Ce qu'il vous manque, c'est de prendre position pour Jésus-Christ. Il est dit que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Son projet pour vous est de vous dévorer, pas jouer avec vous. Même s'il semble qu'il soit silencieux, s'il est silencieux, c'est que tu es perdu. Alors, je te laisse tranquille pour que tu puisses continuer à vivre ta vie sans Dieu. Et même s'il se lève contre toi, dis-lui, Jésus est ton maître, et il s'en ira loin. Prononce le nom de Jésus, crie à Jésus, parce qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit dans le ciel et sur la terre. Il a perdu la bataille. Ce matin, Dieu t'appelle. Il te dit, tu ne savais pas peut-être. Maintenant, tu sais. Maintenant, tu sais que Satan n'est pas ton ami. Tu sais qu'il veut te détruire. Tu sais qu'il t'a corrompu. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ t'appelle et te dit, lève-toi et je te vais te restaurer. Lève-toi et je vais te libérer. Lève-toi et je vais tout te donner. Ce que nous avons ce matin, c'est Jésus-Christ. Rien d'autre. Seul Jésus-Christ. Il est la réponse à tes questions. Il est la réponse à tes problèmes. Jésus-Christ est le remède à tes douleurs. Ce matin, si tu veux avoir Jésus-Christ dans ta vie, si tu veux être délivré, si tu veux être libéré, lève la main. Lève la main. Pour quelle raison tu dois lever la main? Parce que Dieu a déjà lancé la sienne vers toi. Et par la foi, saisis la main de Dieu. Par la foi, saisis la main de Dieu. Laisse ce qui est passé au passé, car Dieu veut tout changer. Ce matin, je t'invite à te lever si tu veux dire oui à Jésus. Si tu veux dire oui à Jésus, je t'invite à te lever, à te tenir debout promptement pour dire à Jésus, Seigneur mon Dieu, je veux expérimenter cela. Non pas uniquement le lire, mais le vivre. Amen. Je veux le vivre, Seigneur. Je ne veux pas uniquement lire ce qui est écrit, je veux le vivre. Je veux que toutes les œuvres du diable de ma vie soient brisées. Ce n'est pas mon ami. Je ne l'ai pas choisi pour père. Il m'a volé à toi. Ramène-moi auprès de toi, Seigneur. Montre-moi ce qu'est la vraie vie, Seigneur. Lève-toi ce matin si tu veux dire oui à Jésus. Lève-toi si tu sais qu'au fond de toi, il y a une soif, il y a une faim de plus. Il y a des blessures qui souhaitent, il y a des blessures qui te font souffrir, qui vont souffrir ton prochain. Christ veut te restaurer. Un seul nom, une seule personne. Un seul nom, une seule personne. Son sang est efficace. Son sang est efficace encore aujourd'hui. Amen. Chers amis, je ne vous parle pas encore une fois pour vous mentir. Ce qui est écrit dans la parole de Dieu a été écrit pour que nous puissions être instruits, pour que nous puissions savoir que Dieu est réellement celui qu'il dit qu'il est, que Dieu est réellement venu en Jésus pour venir te chercher, te prendre dans ses bras, te dire « tu n'as plus à avoir peur, tu n'as plus à pleurer, tu n'as plus à souffrir, car celui qui était contre toi, je l'ai détruit. Celui qui t'a emmené loin de moi, je l'ai battu. Celui qui t'a fait avoir toutes ces séquelles aujourd'hui, il a perdu le combat sur ta vie. Alors tourne-toi vers la croix. Tourne-toi vers Jésus. Oui, tu entends des cris autour de toi. Oui, il y a des lions qui grognent autour de toi. Oui, il y a des problèmes autour de toi. Mais regarde uniquement à la croix. Lève les yeux sur Jésus. Et peu importe ce que tu entends à gauche et à droite, regarde à la croix. Le cœur de Dieu souffre quand il voit ce que Satan a fait dans ta vie. Dieu est en pleurs quand il voit que Satan t'a emmené loin de lui. Mais Dieu court après toi. Il court après toi. Il ne se lasse pas. Et il espère que tu t'arrêtes un jour pour qu'il puisse te rattraper. Et pour qu'il puisse lui-même s'engager à te délivrer. Parce que oui, la bonne nouvelle du salut, c'est quoi? C'est que Dieu sauve l'humanité.
te sauver, cela était possible à toi tout seul. Mais à Dieu, tout est possible. Si tu crois, alors tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Si nous voulons tous que Christ soit notre maître et sauveur, que Christ soit celui qui gagne nos combats, alors mettons-nous debout ensemble, nous allons prier. Et ceux qui se sont levés pour dire à Jésus, oui, Seigneur mon Dieu, oui, Seigneur, je dis non à Satan, je dis oui à Jésus-Christ. Je ferai une prière pour que Dieu puisse sceller cet engagement. Parce qu'on peut dire oui aujourd'hui, mais il faut dire oui demain. Il faut dire oui dans la tempête, il faut dire oui dans le feu. Il faut dire oui quoi qu'il arrive. Parce que Dieu a promis de te sauver et il le fera quoi qu'il advienne. Alors toi, reste dans ton oui pour Jésus-Christ. Prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, en ce matin, tu nous as présenté la vérité. Satan, mon Dieu, était un ange parfait. Mais il a voulu, Seigneur, prendre ta place. Il a voulu, Seigneur mon Dieu, régner et mettre en place son royaume à lui. Il a oublié, Père, qu'il était sage parce qu'il était connecté à toi. Il a oublié qu'il était parfait parce qu'il était soumis à toi. Alors, mon Dieu, quand il s'est séparé de toi, la corruption a été dans son cœur. Il a commencé, mon Dieu, à être égoïste. Il a commencé, Seigneur mon Dieu, à vouloir tout lui. Et il a anéanti, il a détruit son cœur. Et mon Dieu, il a voulu détruire le ciel. Il a perdu. Il est venu, mon Dieu, et il a détruit la race humaine. Ô Seigneur, tu as tant aimé le monde que tu as envoyé Jésus-Christ. Tu as tant aimé l'homme que tu es devenu un homme et tu es venu vivre parmi les hommes. Tu as souffert, tu as pris des coups, mon Dieu, à notre place. Tu as eu honte, tu as été humilié pour que nous puissions être relevés. Tu as été frappé pour que nous, Père, puissions être épargnés. Seigneur, mon Dieu, tu as souffert. Satan s'est joué de Jésus. Satan s'est moqué de Jésus sur la terre. Il a piétiné Jésus. Mais Jésus est resté fidèle jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix. Et mon Dieu, alors qu'il est cloué sous le bois, il a dit, c'est bon Père, tout est accompli. L'homme, l'humanité a été libérée. J'ai fait ma part, Seigneur. Maintenant, tout homme qui crie à toi, par moi, sauve-le. Seigneur mon Dieu, en ce matin, Satan a perdu le combat. En ce matin, mon Dieu, toutes les blessures que nous avons trouvent restauration en Jésus. En ce matin, tous les problèmes que nous avons, mon Dieu, ont trouvé leur solution, mon Dieu, par Jésus-Christ seul. Alors voilà pourquoi nous nous sommes mis debout, Seigneur, pour regarder à la croix, pour dire merci Jésus, merci Seigneur pour ton amour. Et ô Seigneur, j'ai peur. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. Je ne sais pas ce que cela m'engage à faire réellement de te suivre. Mais je veux Jésus-Christ seul. Alors Seigneur mon Dieu, s'il te plaît, viens avec nous, accompagne-nous, révèle-toi à nous et sauve-nous toi-même Seigneur. Et si Satan Père veut nous mentir, veut nous rappeler nos péchés, veut nous humilier, alors toi Seigneur, lève-toi et dis-lui de s'en aller. Car aujourd'hui, Jésus-Christ est entré dans sa maison que nous sommes. Car aujourd'hui, Jésus-Christ est venu et il brise nos chaînes. Ô Père, que le sang de Christ nous recouvre tous en ce matin. Et qu'au sortir de ce lieu, Père, nous puissions dire Alléluia, je suis un enfant de Dieu. Je n'ai plus pour Père le diable, j'ai pour Père l'Éternel des armées. Seigneur mon Dieu, merci pour tout. Nous avons prié, non que nous soyons dignes, mais en Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Chers amis, que Dieu vous bénisse. Vous avez la paix sur vous. Le sang de Christ est efficace. Acceptez le pardon de Dieu. Acceptez la liberté. N'ayez pas peur de dire en sortant de ce lieu fièrement, je suis libéré en Jésus. Jésus est mon sauveur. Dieu est mon Père. Satan, je ne veux plus de toi. Dieu fera le travail. Dieu va venir marcher avec vous et va vous libérer de manière pratique. Ayez foi et vous le verrez s'accomplir. Nous allons ensemble chanter notre chantème. Sauveur des perdus, l'ami tant désiré.
Sois-nous.